Yo, yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, bienvenue aux sociaux de Web Girondin TV, bienvenue à tous les supporters et toutes les supportrices des Girondins de Bordeaux et aux fans de foot. Bienvenue dans l'émission qui essaye d'analyser l'actualité des Marines Blanches. J'espère que vous avez passé un bon lundi, je suis très content d'être avec vous. C'est bizarre de ne pas faire d'émission ce week-end. Je vais vous présenter tous ceux qui sont autour du micro avec les habitués. Tout d'abord, Monsieur Jonathan D'Agostino. Salut Joe. Salut, salut, bonsoir à tous. Ça va? Ben écoute, ça va, j'ai fêté mon anniversaire ce week-end. Donc, je savais pas, bon anniversaire. Je me remets gentiment du week-end, c'est gentil. Merci. Il l'avait pas dit. Ah, oui, et non, mais c'est ça, j'ai fêté mes 35 ans et du coup, les gens autour de moi ne me connaissent pas du tout. Ouais. Voilà ce qu'on m'a offert du coup ce week-end, entre autres. Ah oui, le livre de notre ami Laurent Mollerone, du coup, donc voilà, les gens de mon entourage ne me connaissent pas du tout, ils ne me regardent jamais le lundi, apparemment. Donc voilà. Bon, ben bon anniversaire, 35 ans, hein. Merci, ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, temps passe, hein. Eh ouais, la maturité bientôt. Monsieur Gino Forte qui est là, salut Gino. Nico, salut à tous. Ça va Gino? Ouais, bon week-end, plutôt sportif, on a regardé pas mal de sports différents pour une fois et c'était plutôt sympathique entre la victoire de nos amis Rochelais en rugby et la finale de la Ligue des Champions bien entendu, mais aussi un peu de basket. Avec Miami-Boston, où il y a eu vraiment une très très belle série. Un peu sportif, je pensais que tu allais me dire j'ai fait du sport. Ah non, mais non, ça pourrait, hein, le rugby arrive bientôt, mais ça sera plutôt avec les petits. Bon, très bien. Merci d'être là. Et monsieur Romain Avril, chef consultant auteur en direct de Toronto. Bonsoir et bienvenue, Romain. Salut Nico, salut l'équipe et salut à tout le monde. Merci de m'avoir. Bon, comment ça va à Toronto? Bah ça va, il fait beau, on a 30 degrés, donc on se plaint pas, un beau soleil. C'est normal qu'il fasse si chaud. Ouais, bah je pense qu'il y a vraiment le côté Toronto, il fait froid tout le temps. Non, il fait froid en hiver, mais les étés sont comme près du lac à Bordeaux, c'est pareil. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. T'es socio Web Girondin, supporter des Girondins depuis 98, 99. C'est ça, hein, ouais. Et qu'on va passer l'émission ensemble. Et je vois, il vient d'arriver et de se connecter. C'est Monsieur Conan qui fait son retour. Salut Conan, comment ça va, capitaine? Bonsoir. Salut, salut tout le monde. Oui, enfin de retour depuis tout ce temps, ça faisait très longtemps. Ça comment fait tu plaisir. Vas Et écoute, je vais bien. Je suis à nouveau au repos, donc j'en profite. Petit message, Joe, je l'ai préparé pour toi. Ah joli, bien joué Conan. Merci, mais ça vaut pas la. Un petit patoche. Ça vaut pas la chanson de Gino quand même. Bon, non. C'est... Non. On en est loin. J'ai pas réussi à avoir un contact avec son agent pour les droits. Gino, tu vois, donc. Logo Bonito ne veut plus par rapport aux droits d'auteur. Logo Bonito a dit non, donc on arrête. Et je remercie les gens sur le chat qui ont souhaité mon anniversaire du coup depuis tout à l'heure. Du coup, merci beaucoup. Je vois Flo qui est là, Steph, on a Laurent qui nous fait un don comme ça pour nous soutenir. Merci Laurent, à toi. Alain qui est là de Bretagne et tous les autres qui sont là. J'ai vu que Michel, Johan, Savin qui est là du Pays Basque aussi. Merci à tous d'être là. Je rappelle qu'on est diffusé en direct sur webgirondin.com, sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. On a passé les 8500, c'est formidable. Si vous êtes sur Facebook, ben venez vous abonner à YouTube. Hein, en 221 sociaux, merci à vous. Et je rappelle, on fait gagner le maillot domicile de la saison prochaine. Et oui, tirage au sort le 13 juin. Donc, il y a un socio qui va le gagner, hein, ou une socio, qu'il gagnera. On fera le tirage au sort le 13 juin en direct, même si on ne le connaît pas.
puisque de toute façon, on aura un maillot domicile. Hein, je dis à chaque fois que je parle du concours, on en aura un. Donc, on vous l'offrira. C'était le concours des 200 sociaux. Mais tous les 100, si un jour on arrive à 300, ben on fera un nouveau concours. C'est pas, peut-être ça arrivera un jour. Hein. Tout l'été, deux émissions par semaine, une le lundi, une le jeudi. Ce jeudi, c'est FAQ. Il y avait eu Grand Angle la semaine dernière. Et bien sûr, on aura la chanson de Secta. Merci pour toutes vos photos que vous nous avez envoyées. On l'aura en fin d'émission. Bordelais un jour, Bordelais toujours. Quand on aura compilé assez d'images, de vidéos, on fera un petit clip. Je pourrais même commencer peut-être à le faire ce week-end pour le diffuser avec sa chanson. Voilà, messieurs. Je vous propose le sommaire de cette émission. Voilà, il y avait une petite page sur les sociaux, comment et pourquoi de devenir sociaux. Mais le sommaire, on en parle. Comment expliquer le flou qui règne aux Girondins de Bordeaux? Point d'interrogation. Ah, vaste question. Première partie, jusqu'à 20h. Échange avec François Grenet qui va nous rejoindre à 20h jusqu'à 20h30. Avec nous, il nous fait la gentillesse de venir sa première fois. Il sera dans le talk. Ensuite, nous nous poserons une question. Quel entraîneur pour Bordeaux? On voit beaucoup de choses passer, beaucoup d'incertitudes. Guillon, Furlan, qui accède à la Ligue 1 avec Auxerre, Batles, Tolo, qui a fait une déclaration du France Bleu. Je vous lirai la déclaration. Didier, pas content. Cash. Ouais, il a été cash. Hein. On en parlera. Et enfin, les infos en vrac, Mercato. Alors, j'ai pas mal d'indiscrétions. Je ne sais pas si c'est des informations, mais c'est des rumeurs, voilà, des bruits qui circulent sur des joueurs de l'effectif. Donc, on en parlera à la fin de cette émission. Et bien sûr, déclaration de Laurent Blanc aussi, je l'ai noté. Je croyais que c'était significatif, comme c'était l'entraîneur qui a amené le dernier titre de champion de France des Girondins de Bordeaux en 2009. Il s'est exprimé sur le club. On vous dirait ce que vous en pensez. Samuel Vasselin nous rejoindra aussi aux alentours de 20h10 pour nous accompagner dans cette émission. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous convient? Un bon petit programme. Super. Mm-hmm. Ouais, une heure et demie, ça va faire court encore, comme d'hab. Ouais, ça va être Ça va être court. Et en plus, je passe au Club des 5 ce soir à l'émission de Samuel. Ah, bien, Nico. 23h15, je vous l'ai dit, on en parlera. Ils font une spéciale Bordeaux, je crois. Et il m'a demandé d'intervenir, donc on en parlera quand il sera là. Mais, bientôt, pour te joindre, il faudra qu'on appelle ton agent, quoi. Bien sûr, tu peux m'appeler. Hein, mon téléphone, il est là. N'importe quoi. Bon, messieurs, on va profiter de Romain. Parce que tu es là, tu es avec nous. Comment tu habites à Toronto? Tu vis ta passion des Girondins depuis le Canada. Avant de commencer cette émission, j'aimerais que tu nous dises comment tu fais pour vivre ta passion depuis Toronto. Comment ça se passe quand on est supporter bordelais? Bah, c'est pas facile, déjà, parce que je suis sûrement l'un des seuls supporters Girondins ici à Toronto. Il y a des Marseillais, des Parisiens, mais c'est vrai que des Bordelais, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez dur dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Moi, les deux derniers titres, la Coupe de France et le championnat, je les ai faits tout seul, à crier, à courir dans la rue, mais avec personne. Mais c'est surtout dur depuis 5-6 ans, quoi, depuis la fin d'M6, depuis les rachats, j'ai envie de dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que l'émission, les chats, c'est vrai que ça aide, parce qu'on se sent un peu moins seul, justement. Merci à vous, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça nous permet aux supporters à l'étranger justement de se retrouver un petit peu. Ah, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi, parce qu'on se retrouve vraiment seul à regarder les matchs en plus en plein après-midi ou même très tôt le matin. Donc les matchs de 3h, c'est à 9h du matin ici. Donc on se lève tôt, c'est vrai que c'est difficile de regarder un match de foot à 9h du mat contre 3h d'après-midi ou même le soir, quoi. Donc c'est vraiment la passion, ça a dû vraiment être reshifté, quoi, vraiment, où on sait pas, enfin, on doit s'adapter. Mais bon, on suit chaque match, j'en manque pas. Quand je viens en France, je descends sur Bordeaux, je vais voir les matchs. Mais c'est dur, quoi. Ouais, t'as été voir plusieurs matchs cette saison, tu m'as dit. Cette année, ouais, j'ai fait le Lille et j'ai fait Metz aussi. Donc une victoire, une défaite. Donc j'avais fait le match de Noël, c'est vrai que c'était, il y avait une bonne ambiance. Bah bon, après le match a tourné au vinaigre, mais bon. Après, Metz, c'était sympa, même s'il y avait la tribune qui était fermée, donc bon, ça manquait un petit peu d'ambiance, mais bon, j'ai chanté, donc j'étais là. Ouais, bon, t'avais une
Petite oui. question, t'as pas eu envie de te recoucher des fois après avoir vu le match à 9h? Franchement, tu peux pas, je suis dans un état pas possible. Ma copine ici, elle me dit d'arrêter de tout casser, de tout lâcher. J'ai arrêté de tout casser, je crois, après le match de Nantes. Je crois que c'était vraiment là où c'était un peu ça a sonné de glas. Et je suis passé de très très énervé à juste complètement dépité, qu'il y avait, enfin voilà, quoi, j'y croyais plus, donc ouais, c'est chaud. Ouais, j'ai vu bonjour de Toronto, c'est Vincent de Bogota, Vincent Gérardo qui regarde de Bogota. C'est à côté, Nico, c'est pareil, c'est à côté. Ouais, non, bah, ça va les gars, j'ai quand même des notions de géographie. Ouais, c'est le même côté du monde. Ouais. Il y a Michel, qu'on salue, qui est socio, qui dit « Tu connais pas un milliardaire canadien qui voudrait investir à Bordeaux ?» Alors, je peux vous dire qu'ici, le foot, pour le coup, ils en ont vraiment… Ils connaissent rien. Moi, j'ai fait les premiers matchs de Toronto FC, donc dans les années… début des années 2010. Franchement, c'était du championnat régional, quoi. La MLS, c'était vraiment pas ça. Ça a beaucoup progressé. Ils mettent énormément d'argent. D'ailleurs, je suis ambassadeur d'une marque ici, qui est aussi sponsor justement de l'équipe du Canada et du Toronto FC. Donc ça permet d'aller voir des matchs, rencontrer les joueurs. Là, ils ont signé quand même Insigne, qui est un assez gros transfert quand même, j'ai envie de dire. Mais bon, après, le niveau, c'est catastrophique, quoi. C'est vrai que, enfin, c'est catastrophique. Je pense qu'on pourrait comparer à Ligue 2 nationale pour nous, mais c'est dur à voir. Quoi. Et on a quelques Français à Toronto, mais des fois, les contrôles, les passes. Je me dis que même moi, j'ai ma place à 36 ans, j'ai encore ma place dans l'équipe. Et Romain, ça draine du monde, le foot là-bas à Toronto, parce qu'on sait qu'il y a quand même des franchises qui sont énormes, que ce soit les Raptors en basket, ou même, je veux pas dire de bêtises, mais en hockey, il y a une grosse équipe aussi, les Maple Leafs, je crois. C'est ça, t'as raison. Ouais. Donc les sports principaux, c'est le baseball, le basket et le hockey. Le hockey est vraiment le sport national, c'est là où ils sont très très forts. Après, il y a 6 franchises de hockey au Canada. Il y a une franchise de basket, donc tout le pays est pour les Raptors. Et en foot, il y a Montréal, Vancouver et Toronto. Ils ont eu une bonne année. Ils ont eu deux bonnes années dans les années, je crois que c'est 2016-2017 ou 2015-2016. Ils avaient fait finale et ils avaient gagné, justement. Donc, ils ont eu 3 bonnes années. Mais là, c'est reparti très, très. En fait, il n'y a pas de support, c'est ça le problème, quoi. C'est un petit stade, il n'y a pas de suivi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le sport où ils vont investir. Donc, pour répondre à Michel, des gens qui voudront. Je pense que le seul attrait qu'on a, quand je dis Bordeaux, mais moi, j'ai Bordeaux, je l'ai sur. Est-ce qu'on voit ? Je l'ai vraiment. C'est vrai, t'es tatoué ? Attends, fais voir, vas-y. Donc, énorme. Ah ouais. Quand j'en me dis, j'en remonte. Ah ouais. Donc c'est vraiment, mais c'est ici, et Bordeaux, c'est le vin et c'est tout, quoi. Il n'y a aucune connaissance de l'équipe. Ils connaissent le PSG, en fait, ici. C'est à peu près tout. C'est la seule équipe qu'ils connaissent. Ouais, plus à Montréal, j'ai vu, c'est Drive qui nous dit ça sur le chat. Oui, parce qu'il y a tous les Français qui généralement migrent à Montréal parce que ça parle français, donc c'est plus facile. Ouais. Et je rappelle, t'es quand même, alors t'es quelqu'un des médias là-bas à Toronto, puisque t'es chef cuisinier et tu as l'habitude de faire des émissions, etc. Donc c'est une star, hein. Une starlette, je ne suis pas encore une star. Tu fais la télé et tout, non, mais c'est vrai. Ouais, non, ça se passe plutôt bien depuis 2014. J'ai eu de la chance de faire, je pense qu'en étant français, de mon âge, il n'y a pas grand monde. Donc, c'était une scène assez ouverte. Ça a commencé par une télé, une deuxième, et puis ça se passe plutôt bien. J'ai fait Top Chef en tant que juge 2 fois. Donc, j'ai fait des émissions de cuisine aussi qui sont assez grosses. Beaucoup de radio. Donc, je suis intervenant sur Radio-Canada, qui est un peu la radio française du Canada entière. Hein, donc, c'est national. Donc, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. J'ai de la chance. Je travaille dur, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'exposition. J'ai les mots en anglais. On n'a pas la même exposition ici qu'en France, avec le chef est vraiment starisé. Donc, on se retrouve sur des magazines de mode, apporter des montres, tu fais ça et tout. Différent. Quoi. J'ai fait autant de magazines de mode que j'ai fait de magazines de cuisine, en fait, des trucs pour les maisons. Donc, c'est vraiment, vraiment différent la vision du chef à l'étranger, où en France, vous faites 3 macarons, personne ne vous reconnaîtra dans la rue. Ici, c'est vraiment un système différent, quoi. Bon, écoute, c'est bien. Et quelle analyse tu fais de la saison, toi, tes enseignements de cette saison, t'en tires quoi ? J'ai envie de dire, pour moi, on l'avait vu venir, quoi. Je pense si vraiment on est surpris à la fin de l'année, je pense qu'on s'est un peu voilé la face.
après 5-6 matchs, surtout, déjà le premier match, moi, ça m'a un peu retourné. Quoi. Le fait qu'on perde 2-0 contre Clermont, ça m'a déjà foutu un peu dedans. Mais bon, après, le premier titre du sommaire, c'est le flou, mais je pense que c'était le flou depuis des années, depuis la reprise des Américains. En plus, moi, ils sont un peu connus quand même ici. Hein. C'est vrai que bon, c'était même, on se demandait ce qu'ils allaient faire à Bordeaux. Après, intrinsèquement, ce qui fait mal, c'est le fait qu'on n'a pas des mauvais joueurs. Donc, c'est ça qui fait vraiment, qui est vraiment dur à regarder quand on voit la composition. Et on se dit, après, ouais, c'est sûr, on est tous des entraîneurs. Mais quand on voit la composition qu'ils ont fait chaque semaine, on se dit, mais ça va pas. Je veux dire, le fait que Mara ait joué 7-8 matchs dans l'année, j'ai envie de dire, vraiment titulaire, c'est incompréhensible. Les compositions d'équipe, les changements, les faire sortir Koscielny pour faire revenir le Lyonnais comme ça, qui devient catastrophique. On a parlé les ailiers, mais c'est même plus du football en fait. C'est vrai que écouter RMC tous les jours, parce que j'écoute beaucoup la radio, pour pas perdre mon français. Écouter RMC se moquer autant des Girondins, mais ça fait mal quoi. Ça fait vraiment très mal, mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, j'en dirais qu'à notre direction. C'est on va les appeler comme ça parce que c'est leur titre. Mais ouais, ça fait c'est assez compliqué quoi. Conan, c'est quoi toi ton analyse de la saison? Parce qu'on t'a pas eu depuis plusieurs semaines. C'est quoi tes enseignements? Tu m'avais dit, Nico, faut que tu dises ça, puis je préfère que tu le dises, puisque j'ai oublié de le dire la semaine dernière, ce que tu m'as demandé de ouais, dire. C'est pas grave. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Comme j'ai dit, de toute façon, cette année, elle va être oubliée, comme beaucoup des dernières saisons qu'on a vécues. Des erreurs, il y en a eu plein. Je sais pas si on n'a pas déjà battu un record d'erreurs faites en une saison. Mais maintenant, comme je t'avais dit, au vu en fait de ce que j'ai pu voir des petits jeunes, au vu de, on dira d'un peu peut-être d'amour propre aussi, et puis j'espère que les petits jeunes auront. Si on descend en Ligue 2, j'ai fort espoir en fait de remonter. Peut-être pas être premier. On descend, hein, c'est sûr qu'on descend. Hein, voilà. Oui, non, je sais. C'est sûr. Hein. J'ai dit si on. J'ai dit on descend. Si en Ligue 2, on reste. Voilà, je suis sûr qu'on remontera, mais le problème du 6, c'est qu'on ne sait pas encore la DNCG. Si on descend beaucoup plus bas, là, ça peut nous faire mal. Je te taquine, je comprends. Ouais, d'accord. Là, ça peut nous faire très mal. On va voir, il n'y a pas raison de s'affoler pour l'instant. Pour l'instant, non. On verra, c'est le 14 juin que Bordeaux passe devant l'organe de contrôle, l'organe financier de contrôle des clubs professionnels. Bon, messieurs, premier thème. Merci Romain pour cet échange. On va de toute façon échanger Je peux mettre une Nico juste avant qu'on débute les sujets de l'émission. Oui. Je suis en train de me demander quand même, parce qu'on voit qu'on connaît du monde un peu partout dans le monde. Ça serait bien qu'un jour on fasse un road trip ou un Birondin autour du monde en fait. Tu vois, on peut passer à Toronto, manger un petit steak de bison, une poutine, peu importe. Et après, tu pars en Italie, manger des tagliatelles à la carbonara. Après, tu vas en Écosse pour notre ami Marcine. À Bogota. Marcine, en Écosse. Polonais en Écosse. Il y a quand même de quoi voyager. Il y a quand même de quoi voyager. Commencez à avoir du monde. Ouais. C'est un petit voyage web Girondin Socios. Bah, aller à Langon, je vois, il y a Carole qui est sur le chat. ça c'est là, Langon. Mais oui, là, nous repas Langon. Mais c'est pas bon restaurant. C'est très bon restaurant. Très bon restaurant. C'est bon régional, bien sûr. C'est bon coin. Oui. Non, je salue Carole, qui est socio également. Salut Cédric aussi. Bon, messieurs, c'est le flou. 19h50, comment on peut expliquer le flou qui règne aux Girondins de Bordeaux? Gino, je te donne la parole en premier, après Joe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il y a un sentiment un peu bizarre. On est dans un entre-deux, on ne sait pas où on va. J'ai ce sentiment-là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai un avis. Je reste un peu en retrait, justement, ces derniers temps, avec tout ce qui se passe, parce que je ne suis pas du tout étonné par la tournure des événements. On l'a dit toute l'année, hein, on a pointé quand même du doigt le fonctionnement du club qui était pour nous assez particulier, pour ne pas dire plus, avec une direction qui apparemment a fait un bilan, ou en tout cas a commencé à faire un bilan, mais on n'a pas de communication plus que ça, hein, sur ce bilan. Des changements qui doivent être faits, mais pour l'instant, rien de plus. On a un flou qui est total au niveau financier, avec la DNCG, tu l'as très bien dit, et je pense qu'il, malheureusement, fait qu'on
on est encore très en retard sur les choix qui vont être annoncés. Et tu as l'impression que d'année en année, tu redémarres en perdant encore du temps, qui va nous être préjudiciable, à mon avis, pour démarrer, et pour démarrer de la bonne manière, et pour se restructurer. Parce que ce bilan, il est fait très tardivement, pas forcément anticipé par rapport à une descente qui est quand même assez catastrophique. Et donc, ben, mon avis, il est que on est dans une logique totale de la direction qui continue ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire gérer à retardement ce club, pas de la bonne manière, et avec des changements qui, encore une fois, pour moi, me font de plus en plus peur quelque part, parce que on attend, et on n'a pas de véritable communication non plus derrière. Et j'ai bien peur qu'on reparte, malheureusement, avec les mêmes personnes qu'on a eues cette année, ou des gens qui ont été là présents, qui ont des rôles considérables au club et qui n'auront pas véritablement fait, pas leur mea culpa, mais au moins leur bilan personnel pour mieux repartir l'an prochain. Donc pour moi, on est dans une logique entière de ce qu'est le club et cette direction. Joe ? Je suis un peu dans la même lignée que Gino, c'est compliqué d'en être autrement de toute façon. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Indochine qui a commencé une tournée là. Ils font passer un message sur leur écran géant. Ils reprennent en fait une phrase d'un anticommuniste de l'époque, à l'époque de la guerre froide, qui expliquait qu'en gros, la phrase c'était « ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir ». Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser vraiment au Girondins de Bordeaux, c'est qu'en gros, tout le monde a compris ce qui se passe au Girondins de Bordeaux, c'est un foutoir pas possible, personne ne gère rien, on est en retard sur tout, on n'est pas compétent, on est compétent sur rien. Voilà. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, même depuis 4 ans à peu près, on a des personnes qui font un petit peu ce qu'ils veulent et en toute impunité au sein de ce club, et il n'y a personne qui dit strictement rien, et il n'y a personne vraiment qui prend le taureau par les cornes, il n'y a personne qui bouge réellement. Moi, j'ai l'impression que ce club, en fait, à l'heure actuelle, il est en mort cérébrale. Tu sais que ce club, il est en train de plonger complètement, et tu as l'impression qu'il s'y passe rien. Depuis que la saison est terminée, l'encéphalogramme, il est plat. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Moi, je pensais que ça allait vraiment exploser à ce moment-là. Et en fait, tu as l'impression que bah, c'est bon, la saison est finie, maintenant, on se fait un peu oublier. Et du coup, on va garder tout ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, on va continuer tranquillement à faire notre truc. Et puis, si le club bébé s'effondre, eh bien, écoute. Après, il faut peut-être du temps pour faire des changements. Je fais. Non, mais comme dit Gino, ils ont peut-être besoin d'un peu de temps, puisque la saison s'est terminée il y a 10 jours. Mais Nico, comme le dit Gino, il y a quand même personne qui est intervenu en disant. Enfin, alors, si Lopez est intervenu en disant oui, on a fait des conneries, des mauvais choix, etc. Mais lesquels ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que vous avez fait déjà un bilan par rapport à ça ? Là, tu as l'impression. Enfin, s'ils le font que maintenant, c'est déjà trop tard. Hein. Ça fait un petit moment que les problèmes, on les voit au sein de ce club. Hein, ça date pas que de l'arrivée de Lopez. Hein, donc, à un moment donné, il faut quand même un petit peu quand même se poser les bonnes questions aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a aucune transparence dans ce club. C'est parce qu'ils savent très bien que si toutes les choses étaient dites et tout sortait, il y a beaucoup de gens qui seraient un peu dans la merde hein, à l'heure actuelle, je pense. Parce que franchement, il y a beaucoup d'incompétence au sein de ce club. Donc, il y a un moment donné... Quel est l'organigramme de ce club ? Quelle est la place de chacun ? Quels sont les rôles de chacun ? Ça, même ça, on ne le sait pas. Quelles sont les décisions prises, qui vont être prises, en tout cas, par rapport à tout ça ? Les conséquences, les véritables responsables un petit peu de tout ce qui s'est passé ? On nous fait tourner complètement en rond, en fait, depuis des mois et des années. Et à l'arrivée, tu sens que ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune avancée sportive depuis des mois. Et sportivement, on n'en parle pas à l'heure actuelle. On n'en est pas là et on en est loin. Hein. Sauf qu'il y a une saison qui va commencer le 30 juillet. C'est dans pas longtemps. Oui. C'est dans 2 mois. 2 mois. Comment tu prépares une équipe à la remontée en 2 mois sans avoir rien préparé en amont ? On est en train de premier de la Ligue 2. Peut-être que ça va s'accélérer. Non, mais Nico, on l'a vu l'année dernière, comment ça s'est passé. On va pas refaire la même connerie, tu vois ce que je veux dire. Enfin, là, il n'y a pas de rachat ou quoi que ce soit, apparemment, vu que notre ami Gérard Lopez, il reste, soi-disant. Oui. Donc, à un moment donné... Tu es censé anticiper un peu les choses quand tu es quand même un gérant d'une structure. Donc, je suis désolé, mais moi, j'ai du mal à comprendre le silence qu'il y a à l'heure actuelle. Okay. Alors, est-ce que ça travaille ? Je l'espère. J'ai l'impression que les personnes qui dirigent ce club font des choses. Je pense qu'ils pensent faire bien, ça se trouve. Ça se trouve, ils se disent, c'est bon, on va faire bien. Mais ils se trompent complètement parce qu'ils n'ont pas les compétences, tout simplement. Et là, on est en train de repartir encore dans les erreurs qu'on a fait l'année dernière. Et moi, c'est ça qui m'inquiète réellement. Alors, le flou, oui. Mais le flou, on l'a depuis 4 ans de toute façon, parce que ce club est cloisonné.
rien ne doit sortir sauf que tout sort de toute façon, donc à un moment donné voilà, mais le flou il est parce que t'as structurellement parlant, même au niveau de l'organigramme ni rien, tu sais pas qui gère quoi, tu sais pas qui prend les décisions déjà. Donc déjà par rapport à ça. Attends plus de clarté, le flou parce qu'il n'y a pas de communication. Oui, de clarté, d'honnêteté aussi, à un moment donné aussi, et dire oui, on s'est planté, on a fait cette connerie-là, oui, Franck Sergio, ça a été une erreur, oui, le recrutement a été une erreur, oui, la gestion des coachs n'a pas été bonne, on n'a pas donné les moyens aux coachs de bien faire, etc. Voilà, dire clairement les choses. Romain, t'en penses quoi? Bon, sur le flou, j'imagine que ça va rejoindre un petit peu ce qui a été dit ou tu Oui, as, bah, c'est ça, je rejoins. Après, de toute façon, le flou dans n'importe quel business, c'est la pire chose qui peut arriver. Ça veut dire que d'un, on cache les choses et de deux, qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Qu'on cache les choses, ok. Je veux dire, s'ils veulent faire ça, le business à leur sauce, qu'ils ferment tout, on ne peut plus aller aux entraînements, on ne sait pas les informations, on ne sait pas ce qui se passe en du groupe. Jusqu'à ce que ça sort, et quand ça sort, c'est jamais très propre, ce qui est encore pire. Parce que si vous communiquez sainement, j'ai envie de dire, bon, bah, on sait ce qui se passe, on est prévenu, on peut se préparer mentalement. Mais quand on commence à. Si au sein même du club, les patrons ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas les réponses eux-mêmes. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a du flou, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas les réponses à nous donner, ils n'ont rien à nous dire, en fait. Et c'est ça le problème, parce que je pense qu'eux se cachent parce qu'ils cherchent une porte de sortie. Ou alors parce que justement, bah, ils sont en train d'essayer de faire quelque chose, en train de ficeler à la rage, j'ai envie de dire, quelque chose pour qu'on puisse commencer la Ligue 2. Mais moi, c'est ce que je disais, Joe aussi, c'est ça qui me fait peur, c'est que la saison, ce n'est pas dans 6 mois. La saison, c'est dans 2 mois. Et on l'a déjà fait exactement comme ça l'année dernière, ce qui a résulté à une descente. On a fait une descente parce que, justement, on n'était pas prêt. Alors là, c'est un championnat qu'on ne connaît même pas, avec des joueurs qui ne savent même pas ce que c'est que la Ligue 2. Alors après, on parle, il y a des rumeurs ici, mais je vois même sur les chats, et je parle sur les réseaux sociaux avec les sociaux et tout. Mais en fait, on spécule, mais ça sert à rien, parce qu'on sait absolument pas où est-ce qu'on est financièrement, ou même sportivement. Je veux dire, il n'y a pas de direction, il n'y a plus de direction depuis des années. Alors en plus, quand on arrive avec l'histoire de trading, mais alors là, c'est la fin, quoi. Qu'est-ce qu'on va aller faire du trading avec en Ligue 2, avec des joueurs qui ont une valeur de 1 million, 1 million 5? Ouais, alors c'est sûr, ça fait tourner la société, mais bon, sa société, à Coco, on voit bien que ça se passe pas très bien. Hein. Bon, c'est que les clubs se ferment pour une raison, c'est que les mecs, ils savent pas ce qui se passe, quoi. Il y a le flou, en fait, c'est la pire chose qui peut nous arriver, je pense. Au moins à Saint-Etienne, ils parlent, les supporters parlent, il y a de la communication, et c'est, je pense, c'est le seul truc qu'on peut demander à nos dirigeants. C'est même pas un bilan financier, ça, c'est juste qu'ils nous parlent, que si on les voit ou qu'ils nous disent quelque chose, quoi. C'est ça qui me tue, c'est le manque de communication. Il n'y a rien de pire parce que ça nous laisse complètement dans le désarroi et on est des centaines de milliers à discuter, mais en fait, on ne sait absolument rien de quoi on parle, quoi. C'est ça. Et Saint-Etienne, tu en parlais, le club de Saint-Etienne, les actionnaires qui ont annoncé une grande nouvelle, une vente, quoi, de Saint-Etienne, peut-être dans les prochaines semaines. Voilà. Ouais. Bon, ils l'ont annoncé plein de fois, la vente. Là, a priori, ça semble plus engagé. Ce qui s'est passé dimanche à Saint-Etienne, c'est pas plus glorieux non plus, hein, de toute façon. Donc après, quand on voit ce qui s'est passé dans leur vie, là, c'est quand même. Mais ça prouve qu'il y avait un manque de communication aussi au départ et que la sauce est montée trop loin et qu'à un moment donné, les supporters ont pété un câble. C'est ça aussi, malheureusement. Les supporters n'ont pas fait ce qu'ils ont à faire, malheureusement, même si j'adore Saint-Etienne. Mais ce qui s'est passé, moi, ça m'a vraiment choqué. Moi, enfin, sincèrement, de voir ça dans un stade de foot, là, le fait les fumigènes, plus ça va aller. Déjà que c'est compliqué d'en faire entrer dans le stade, là, je pense que maintenant, il y aura une chasse aux fumigènes. Là, parce que là, si tu t'en sers comme arme, c'est un peu mal barré quand même. Petit message de Johan, qui est socio, qui dit « Chef, je vais t'envoyer du vin au Canada. » Très bon vin, en plus. D'ailleurs, j'ai vu sur le chat, je ne suis pas québécois, hein, je suis français. Ouais, je suis français, immigré. Hein. Immigré. Non, je suis français. Mais non, c'est clair, tu as raison. Après, et ça aussi, en étant l'étranger, tout ce qui se passe en France, c'est décuplé à l'étranger. Donc, tout ce qu'on fait de mal, ce qu'on fait de bien, non, ça, on n'en parle jamais. Hein, mais tout ce qu'on fait de mal, c'est décuplé. Et c'est vrai que l'image de la France ce week-end, entre toute l'année, on en a parlé, on ne parlait pas du sportif, mais des stades. Mais alors, entre le Stade de France et Saint-Etienne, je peux vous dire que c'est ça qu'on voit sur les... Parce qu'on a beaucoup les news américaines aussi. Mmh. Et je peux vous dire que ça tape sur la France, ça tape sur Macron, ça tape sur le français, en fait, et la sauvagerie du français, quoi. Donc, on n'a vraiment pas une bonne image en ce moment, quoi. Conan, tu veux réagir là-dessus?
Ouais, c'est bon, j'ai le micro. Donc, juste une petite question rapide, parce qu'on parle un peu de toute cette gestion, tout ça, l'aspect financier, le trou que l'on a, ce qu'on doit encore. L'année prochaine, on va jouer dans quel stade ? Parce que ce n'est pas avec ce qu'on fera venir en Ligue 2 ou autre qu'on va encore plus faire de chiffres au stade Matmut. Dans quel stade tu joues au Matmut Atlantique ? La question ne se pose pas. Hein. Pour l'instant, mais voilà. Le loyer, ça va encore faire une différence. Quoi. Ouais, je pense qu'il va y avoir quand même des choses qui vont être revues parce que là, la situation change. Là, c'est un cas de force majeure, je pense, derrière. Donc après, les aides de l'État. Ou... Mmh. Si tu es en Ligue 2, il n'y a aucun risque que tu ne joues pas au Matmut pour moi. Quand même. Ça serait, puis tu sais, si tu serais rétrogradé en amateur, niveau amateur, là ça poserait peut-être à la rigueur, oui. Ça, c'est autre chose. Voilà. Après tu connais Bordeaux, voilà. Hein. Même en Ligue 2, si les résultats sont là, le public va revenir. Ouais, je pense que c'est que si on commence à gagner, qu'on joue les premiers rôles, on l'espère, hein. On verra, mais ça paraît un peu compliqué pour l'instant, mais on l'espère. Mais si les résultats reviennent et que l'engouement revient un petit peu à Bordeaux, ça peut vite revenir aussi au stade. Ouais. Messieurs, notre invité est en train de se connecter, François Grenier qui est là. Je le vois aller se connecter, je l'intègre tout de suite au direct. Il est là, il est magnifique. Bonsoir François Grenier et bienvenue. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Merci pour l'invitation, surtout. Merci à vous. Ah bon, on est très content de te recevoir. Je te tutoie, même si c'est la première fois qu'on te parle. Non, mais on se l'est dit par, ouais. On s'est dit par message. Par message. Je te présente l'équipe qui est là autour des micros. Il y a Gino Forte avec un beau maillot qui est là. Il y a Romain Avril. Les années 97, 99. Ouais. Des belles années. Ouais. Voilà. Ouais, on est tous nostalgiques, oui. Il y a Romain de Toronto, il est à Toronto là, Romain, le chef Romain Avril qui est là, ouais. Et il a le maillot, cool. Et il nous a montré, je ne savais pas, il a un tatouage du scapulaire sur le bras. Voilà. Non mais regarde ça, je ne sais pas si tu as vu ça. Impressionnant. Un vrai de vrai. À Conan qui est avec la casquette, qui pilote le chat, donc c'est un délire. Voilà. Ouais. Voilà. Merci. Enchanté. Et Jonathan D'Agostino qui est là, qui est c'est celui qui a la vision la plus réaliste dans sur le club. Salut. Voilà. Salut. Voilà. Salut, et il y a tous ceux qui nous regardent, et je dis à tous ceux qui nous regardent là sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, envoyez du like là pour Monsieur François Grenier qui est là. François. Bah pour vous, surtout. Pour nous. Je rappelle que tu as joué à l'Aviron Bayonnais avant d'arriver aux Girondins de Bordeaux, où tu es resté de nombreuses années. Tu es champion de France 99 avec les Girondins. Finaliste Coupe de la Ligue 97-98 et finaliste Coupe de l'UEFA 96. Tu es passé par Derby County, je ne savais pas, j'ai regardé, je ne m'en rappelais plus. Ouais. Stade Rennais, ouais. Et l'OGC Nice. Ah, ça fait une superbe carrière. Ah, c'est pas Ben Arfa, mais il n'y a pas autant de clubs, mais. C'est pas plus mal. Ouais. Oui, c'est clair. C'est mieux. Je sais pas. J'ai eu la chance, le privilège de faire partie de ceux, parce qu'on avait, je pense, au centre de formation de journée, on avait une super génération. On avait vraiment une génération saine, et c'était pas, il y avait aucune concurrence, il y avait que de l'émulation. Et voilà, on est toujours beaucoup, avec beaucoup, la plupart en contact. Hein. Et on a vécu des choses extraordinaires. Et j'ai fait partie de ceux, voilà, qui ont eu la chance, le bonheur d'aller plus haut, de passer au travers des mailles, comme on dit. Et voilà, à Bordeaux, dans la ville où je suis né, même si j'ai grandi à Bayonne, tu l'as dit, à une époque où Bordeaux, ben, c'était, voilà, ça faisait partie des meilleurs clubs français. Même si j'étais pas professionnel, mais la première rétrogradation, enfin la deuxième dans l'ordre chronologique, qui était administratif, celle-là je l'ai vécu, j'étais au centre de formation parce que je suis arrivé en 89, et quelque part notre génération, on a bénéficié indirectement de ça, parce que le club n'avait plus les ressources d'avant, et il devait s'appuyer sur les meilleurs jeunes du club, et ma génération, voilà, on est tombé à ce moment-là, et on a pu en bénéficier. Après c'est toujours pareil, hein. On a sa chance, il faut la saisir, il faut durer. Mais voilà, c'est que des beaux souvenirs, mais pas que de cette période à Bordeaux, 12 à 12 saisons en tout, en comptant les saisons de jeunes. Mais
Voilà, c'est que des beaux souvenirs et pas que celle-là en professionnel. Voilà, les jeunes, on n'avait pas les téléphones, on faisait des déplacements en bus. Voilà, donc c'est voilà, c'est que du bonheur, quoi, que des beaux souvenirs à Bordeaux. Aujourd'hui, tu es. Alors, on l'a appris la semaine dernière, puisqu'on a eu Lassina Diabaté qui est venue nous rendre une visite dans l'émission. Tu es à la Ligue nationale de football de Nouvelle-Aquitaine. Ouais, pas encore, Pas encore? Non, d'accord. non, enfin, pas encore D'accord. parce qu'il y a, voilà, on rentre pas comme ça. C'est soumis à un vote à l'Assemblée générale. D'accord, Donc, il y a d'accord. une première Assemblée générale qui a lieu le 25 juin et une deuxième où je serai, entre guillemets, éligible qui aura lieu au mois de novembre. D'accord. Voilà. Pourquoi s'investir dans la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine? Ben parce qu'on me l'a proposé. J'avais pris le parti quand j'ai arrêté ma carrière voilà, c'était un choix personnel hein, de couper avec le milieu du foot et d'être dans comment dire, dans la vraie vie active. C'est pour ça que voilà, j'ai fait une formation. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je me suis installé agent d'assurance. La bannière du groupe AXA, et j'ai fait ça pendant 11 ans. Voilà, et même quand j'étais assureur, j'ai toujours pensé, même si je n'ai pas passé mes diplômes d'entraîneur et que ce n'est pas, comment dire, le terrain qui m'intéressait le plus, j'ai toujours pensé au fond de moi que je serais disponible un jour pour rendre au football, sous quelque forme que ce soit, ce qui m'a apporté, ce que j'ai eu la chance de connaître, de vivre à travers mon expérience de joueur professionnel, bien sûr, mais pas que. J'ai maintenant un grand garçon qui a 18 ans, qui a fait l'école de foot. Je l'ai suivi, accompagné. Voilà, et voilà, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai découvert pas mal de choses. Et tout ça, c'est le foot amateur. Moi, j'en suis issu comme tous mes ex-confrères et footballeurs professionnels actuels, on vient tous à un moment donné on est issu d'un club amateur, c'est la source, c'est la base. Et quand on m'a proposé de m'investir par rapport à tout ce qui est sportif au niveau de la Ligue de football d'Aquitaine, voilà, moi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bayonne. Parmi mes meilleurs souvenirs, il y en a beaucoup qui sont à l'époque voilà, où j'étais pas professionnel. Et voilà, j'ai trouvé intéressant de pouvoir, avec mes idées, mes convictions, mais surtout beaucoup d'humilité, parce que voilà, j'entre sur la pointe des pieds, il y a des gens en place, il y a des choses qui ont été entreprises, des choses qui sont en projet. Moi, je suis là pour donner mon opinion, essayer de faire avancer les choses, d'amener quelque chose peut-être à un moment donné d'un œil extérieur et de nouveau. Voilà, et puis on va voir comment Ok. quand ça se passe, et puis si c'est positif, ça durera, si c'est pas positif, ça durera pas, mais j'ai la chance Ouais. d'être indépendant et autonome. Voilà. C'est parfait. Allez, je pose la première question et après on engage les discussions. Déjà, François, ton avis, ton regard sur la saison des Girondins, sur ce qui arrive au club, de manière générale. Alors, j'ai envie de pour répondre à cette question, même si c'est lié, évidemment, j'ai envie de scinder en deux. Il y a le sportif et l'extra-sportif. Hein. Je le répète, c'est lié. Quand un club va pas très bien ou est, comment dirais-je, dans le flou au niveau d'en haut, on va dire ça comme ça, forcément, c'est pyramidal, ça rejaillit sur le bas. Sur le bas, c'est notre vitrine sportive, hein, c'est l'équipe première. Donc la saison sportive, le résultat est là. Elle est catastrophique, tant sur le fond que sur la forme, j'ai envie de dire, pour rentrer dans les détails après. Et voilà, la conséquence de tout ça au fil du temps et à la fin, c'est que j'ai l'impression que comment dirais-je, je sais pas comment le verbaliser, mais comment vous le ressentez-vous en tant qu'amoureux du club, supporter? Au final, j'ai l'impression que c'est un naufrage, mais une mascarade, je sais pas comment dire. On est allé de truc folklorique en truc folklorique. Voilà, c'était plus du football, j'ai l'impression, quoi. Enfin, et la Ouais. sentence, elle est tombée. Terrible, mais tellement
tellement, normal, logique. Tellement logique, logique, quoi. Voilà. Logique. Voilà. Et maintenant, ben maintenant on est suspendu à une décision qui va intervenir d'ici 2 semaines, 3 semaines, je crois. Et on saura à ce moment-là, certainement, si on repart on redémarre au niveau professionnel en Ligue 2, donc, ou si on, si on redémarre au niveau amateur. On en est là, hein. Ça, il n'y a que les personnes concernées qui connaissent les comptes du club, qui connaissent les garanties qu'il faut amener, s'ils sont en mesure de les amener, qui peuvent répondre, s'ils sont optimistes ou pas. Moi, je suis pessimiste, personnellement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, voilà, il faut que ça serve de leçon à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je pense aussi aux institutionnels, à tous ceux qui ont fait semblant de s'agiter un petit peu pour la vitrine, pour de la communication, et qui, au fond, ont laissé faire certaines choses et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a le propriétaire on a le patron que l'on a, et on sait, voilà, ce que ça a été tout au long de la saison. Voilà. Gino? Mais justement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu étais sur un projet différent quand Gérard Lopez a racheté le club? Est-ce que toi, tu avais une idée très différente du projet que pouvait amener cet homme? Et que tu étais plus sur un projet qui serait vraiment à l'opposé du trading et de tout ce qu'on a vu cette saison et de l'homme Gérard Lopez qu'on connaissait déjà par rapport à ses antécédents et les différents clubs de sport dans lesquels il a été présent. Je suis content de t'entendre dire. Oui, j'ai l'impression que tout le monde a été aveuglé par son statut de soi-disant sauveur. Enfin, bon, y a des choses sur la liste, on y reviendra certainement. Mais, non, moi j'ai été consulté par tous les repreneurs potentiels, sauf lui, puisqu'il est arrivé de nulle part, j'ai envie de dire, au dernier moment. Il a damé l'option à tout le monde, on ne sait pas comment, dans quelles circonstances. Mais voilà, donc je ne connaissais pas, moi, il est arrivé, il a présenté son projet, je l'ai découvert comme vous tous. Hein. Je connaissais les autres parce que j'étais contacté, j'ai échangé, et donc je les connaissais. Mais je ne pouvais pas comparer avec le sien parce que lui, je ne l'ai pas rencontré, et voilà, je l'ai découvert comme vous. Donc je pense qu'il y avait des projets qui étaient plus sains, très clairement, sportivement, ça c'est sûr. Au niveau du club, c'était plus sain aussi, ça correspondait beaucoup plus à ce que tout le monde espérait, mais ces projets-là n'étaient pas prêts à avaler toutes les couleuvres au niveau, comment dirais-je, économique que Gérard Lopez a, lui, bien voulu avaler. C'est pour ça que c'est lui qui a été élu, il faut bien le savoir. Il n'était pas le seul, c'est pas vrai. Il n'était pas le seul qui avait les garanties, c'est pas vrai. Donc il est sauvé au final parce que c'est lui qui reprend le club. Mais c'est faux de dire que parmi les autres projets, voilà, il n'y en avait aucun qui avait des garanties, etc. Non, c'est parce que les autres n'ont pas voulu reprendre tel que c'était. Ont voulu négocier des choses. C'est la différence. Il faut le savoir, faites-le savoir. Moi, je le sais parce que j'étais dedans à un moment donné. Et j'en ai les preuves. Mais ça se saura certainement un jour, rapidement ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est faux de dire qu'il était le seul. Il était le seul à vouloir reprendre tel quel. Et c'est pour ça que c'est lui qui a repris. Voilà. Et c'est Kim Street qui a choisi, hein. Les Fortress qui ont choisi, hein, au final. Ah, mais forcément, forcément. Bah, oui. Ça les a arrangés à eux aussi. Ils ne négociaient rien, lui. Les autres voulaient négocier certaines choses. Et on reprend quand on ouvre le dans la chambre noire, là, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, qu'on ouvre les livres de compte, qu'on a tout sous les yeux. Mais il ne suffit pas d'être expert comptable pour savoir que garder les choses telles qu'elles étaient, c'était pas viable. Alors oui, sûrement, il nous l'a expliqué, en employant sa méthode de trading, de ceci, de cela. Mais force est de constater que sa méthode n'a pas fonctionné. Voilà, pour différentes raisons. On va, j'espère, y revenir aussi. Mais voilà, c'était, j'ai envie de dire que, pas que c'était couru d'avance, mais je pense que ce serait honnête intellectuellement de dire, d'avouer que voilà, que c'est bien d'être présenté en sauveur, mais dans ces conditions qu'on ne peut pas viser les 10 premières places. Ce n'est pas possible. Mmh. Voilà, à Lille, des choses ont été faites et bien faites, pour différentes raisons. Hein, 200 millions d'enveloppes,
fournis par les propriétaires américains de Lille à l'époque pour recruter, c'est pas rien. Il les avait là, on les a jamais eu ici. Et s'appuyer sur un réseau à la tête duquel se trouve M. Campos et non M. Lopez, qui est soi-disant un de ses élèves. Alors, je ne sais pas, on n'a pas eu de chance, ou M. Lopez n'a pas eu de chance, il a choisi le cancre de la classe. Mais voilà. Et à Lille, voilà, après, à Lille, c'est nébuleux aussi. Ça commence un petit peu à bouger parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes, comme il y en a eu dans d'autres clubs par lesquels est passé M. Lopez. Voilà, mais voilà, c'était pas viable, ce modèle, même son modèle n'était pas viable, il le savait très bien. Voilà, il ne peut pas dire le contraire, c'est faux, voilà, c'est mathématique presque. Donc voilà, on laisse faire, on regarde, on espère quand même pour le club que ça, pourquoi pas, hein, qu'il y ait un peu de réussite, qu'il y ait le talent qu'il y a eu à Lille, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Et voilà, et on en est là. Voilà, et qu'est-ce que ça va donner? J'ose espérer que ça ne se terminera pas comme ça s'est terminé partout où il est passé. Parce que c'est la réalité, ça tout le monde le sait aussi. Et je précise en parlant de ça, on parle de football, mais pour les amateurs de sport automobile, de Formule 1 notamment, bah, voilà, allez regarder voilà, les différentes... les différents articles voilà, de ce que ça a donné chez Lotus. Voilà. C'est pareil, partout où il est passé, ça s'est toujours terminé de la même manière. Pourquoi ce serait différent à Bordeaux? Pourquoi? C'est la seule question que je pose. Pourquoi? Voilà, on le voit maintenant, voilà, toutes les choses maintenant commencent comme par hasard. Je ne sais pas si rapport de cause à effet, mais les casseroles commencent vraiment à être... de plus en plus médiatisé, ça commence vraiment à creuser. Et voilà, ça c'est toujours, ça a toujours fonctionné de la même manière. Pourquoi, voilà, ça serait différent à Bordeaux? Je pose la question, j'en sais rien, mais je n'y crois pas, c'est pas possible. Voilà, et malheureusement, voilà, c'est comme ça. Joe, autre question? Non, moi déjà, je me reconnais un peu dans le discours de François. Je l'ai sorti de façon dès l'arrivée. Moi, de toute façon, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, de toute façon, chez cet homme-là, donc. Et malheureusement, les craintes que j'avais se sont malheureusement après matérialisées au fur et à mesure du temps. Je voulais demander à François déjà si toi aussi tu avais senti très rapidement dès le début le danger de la Ligue 2 ou pas. Parce que moi, j'en ai parlé déjà dès le mois d'octobre, je crois, quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu as aussi très vite ressenti ce risque-là? Parce que j'ai l'impression qu'à Bordeaux, on n'avait pas peur parce qu'on se disait on est les Girondins de Bordeaux, ça ne peut pas nous arriver. Mais moi, j'ai vite une intuition en me disant c'est trop dangereux là ce qui se passe à Bordeaux. Alors, pour reprendre la période peu ou prou que tu évoques, octobre, novembre, très sincèrement, non, je ne pensais pas à la Ligue 2. Par contre, je pensais que l'objectif des 10 premiers était complètement inatteignable, pardon, qui était leur objectif affiché avec l'équipe que l'on avait, la mauvaise dynamique dans laquelle on était déjà, qu'on avait enclenché malheureusement. Non, par contre, à la trêve hivernale, oui. Et c'est là aussi où, quand je vois le mercato qui est fait à cette période-là, je me dis, mais eux-mêmes n'en avaient pas conscience de ça. C'est pas possible qu'on allait jouer le maintien quand on voit le mercato et le recrutement qui est fait. J'ose espérer que s'ils en avaient eu conscience, ça aurait été différent. Je sais pas. J'en sais rien, mais. Voilà, mais pour répondre à ta question, non, moi, très sincèrement, je ne pensais pas en octobre qu'on était parti pour le maintien. Par contre, j'étais convaincu qu'on ne serait pas dans les 10 premiers. Voilà. Et le mercato d'hiver, tu penses qu'il a vraiment créé une cassure au sein des joueurs, au sein du groupe? Tu penses que les joueurs ont vraiment eu un impact, ça a vraiment un impact psychologique, ce qui s'est passé, dans la manière dont ça s'est passé, notamment pour Koscielny, notamment, comment ça s'est fait? Il faudrait leur demander, mais oui, forcément. Forcément, le vestiaire, c'est un buvard. Quelles que soient les affinités que tu as avec un partenaire, quand tu vois comment ça se passe, voilà, que tu dois l'apprendre aussi, je suppose, à un moment donné, par la presse ou par l'intéressé à qui on signifie tout ça. Forcément, je pense que tu te dis que, mais attends, mais c'est quoi? C'est le délire. Ils ont repris le club, ils connaissaient le salaire de Koscielny. Tout d'un coup ça pose problème, donc on dit soi-disant j'ai tellement mal au crâne de repenser à tout ça que c'est improbable, avec du recul, ça s'est enchaîné,
on a entendu plein de choses, c'est parti par là, après il y a eu le truc aussi. Enfin, je dis, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est ces histoires, quoi? Voilà, mais pour en revenir au mercato, je te dis, je pense que par rapport aux joueurs qui ont été recrutés, voilà, ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, c'est sûr, mais par rapport aux besoins que l'on avait et la situation dans laquelle on était, le profil de joueur dont on avait besoin, je parle donc de jouer le maintien de ce championnat-là, je pense que le recrutement, il est à côté, quoi. Voilà, il est pas bon. Et au niveau d'entraîneur non plus, si on va par là. Il faut venir des joueurs. Je ne parle pas de ses compétences, je trouve que c'est un homme très bien, M. Lyon. Et comme M. Petkovic, j'en ai juste différent. Mais voilà, mais comme dit l'autre, à un moment donné, voilà, il faut s'adapter. Ou alors, ils ont, voilà, soit ils ne pensaient pas qu'on allait jouer le maintien, soit ils ont été aveuglés, ils pensaient qu'il y avait toujours moyen d'eux, que ça, la roue allait tourner. Je ne sais pas, il faut leur demander, les gars. Quoi. Mais voilà, ce n'est pas cohérent, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas grand-chose de cohérent cette saison, de toute façon. On n'en serait pas là. Moi, j'avais le sentiment qu'ils ont pilé les joueurs et qu'ils ont voulu profiter du mercato pour faire un maximum de mouvements, parce que c'est un peu dans leur économie et leur façon de voir les choses. Et que faire venir 12 joueurs en deux mercato, j'ai trouvé ça incroyable. Et pour moi, c'est quasiment impossible d'avoir une cohésion d'équipe quand tu fais venir autant de joueurs. Je ne sais pas si ça a déjà fonctionné quelque part. Non, et après, tu dois faire avec les moyens que tu as. Il n'y avait pas les moyens pour sûrement faire plus de transferts. Ça devrait bien arranger sûrement aussi dans ce cadre-là que de faire des prêts. Mais le problème des prêts, à un moment donné, quand tu joues ce championnat-là, on peut l'évoquer aussi. Pareil, je ne veux pas mettre tous les joueurs concernés par les prêts lors de cette saison ou de la deuxième partie de saison dans le même sac. Mais à un moment donné, quand tu es prêté, que tu retournes dans cette situation, au-delà du sportif, les résultats ne sont pas bons, mais de tout ce qui est extra-sportif, de tout ce qui part en sucette, mais qu'est-ce que tu te dis, je suppose? Mais écoute, moi, tu sais quoi, ça descend, mais moi, je repars là où je viens, et puis on essaiera autre chose. Donc, à un moment donné, comment veux-tu que les gars, si à la base ils ne sont pas carrés dans leur tête, en bon état d'esprit, comment veux-tu qu'ils soient vraiment concernés? Comment veux-tu qu'ils s'investissent à fond? Là aussi, c'est vicié, quoi. C'est à double tranchant. Malheureusement, tout ça, on le paye au prix fort avec la sentence et le résultat final que l'on sait et que l'on subit, quoi. Romain? Ouais. Et après, Conan, si tu as une question du chat. Bah justement, pour rebondir sur l'investissement des joueurs, en tant que Bordelais de cru, prochainement dans les instances de la Ligue Aquitaine, ancien conscient joueur, est-ce que ça ne fait pas encore plus mal, surtout que tu as vu les moyens financiers, ou du moins le peu de moyens financiers qu'on allait avoir, le fait qu'on délaisse autant le centre de formation, qu'on ne parle même pas des filles, les filles qui marcheraient bien, qu'on les a complètement abandonnées, mais le fait qu'on ait des joueurs du cru qui sont sûrement très bons, que ça fait des années qu'on ne porte plus attention justement sur ce qui se passe dans les Ligue Aquitaine, les futurs talents. Dans une génération où, quand c'était la tienne, on sortait des joueurs pas tous les 5 minutes, mais on a quand même une très très belle génération. Est-ce que ça fait pas encore plus mal qu'on aurait pu faire peut-être des économies, chercher des joueurs qui ont envie de se battre? Parce que moi, c'est ça qui me faisait mal toute l'année, de voir des prêts. J'explique ici aux gens à Toronto, parce qu'ils ont rien à foutre de Bordeaux, mais moi je leur explique quand même. Comment... Mais c'est pas propre à Bordeaux, en plus c'est général, ça peut être un autre cas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Au Canada, au Québec, il peut être dans la même situation. Exactement. Comment on peut faire une équipe et comment on peut avoir, j'ai envie de dire, l'investissement, et encore, on ne met pas tout le monde dans le même sac, mais quand sur les 11 titulaires, il y en a 7 à la fin de l'année, de toute façon, ils ne sont plus là. Donc comment on peut vraiment se dire qu'ils sont investis à fond? Alors moi, en tant qu'ancien joueur, comment cette fin? Parce que c'est pas ça qui te fait encore plus mal au cœur, quoi. Ouais, alors il y a plusieurs, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, ta question et ton ressenti, parallèlement. Évidemment qu'on aimerait tous, moi le premier, j'ai eu la chance, je vous le disais tout à l'heure, je sais ce que représente ce club, et que il faut être imprégné de l'histoire de ce club, et ça s'improvise pas. Et après, par rapport aux jeunes du club, bien sûr qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de la qualité. Est-ce qu'il y a autant de qualité qu'on l'espérerait ou qu'on le pense, qu'on ose le penser? Je me dis quand même que ce soit Petkovic ou Guillon, à un moment donné, ou alors, ce n'est pas eux qui faisaient l'équipe ou le groupe, c'est une autre question. Mais je me dis qu'ils s'entraînaient, les gamins, et avec le groupe. Donc, s'il y avait eu vraiment des gamins bien meilleurs
à l'entraînement la semaine. Genre. Alors le match, c'est encore autre chose, bien sûr, parce qu'on nous disait toujours que la semaine d'entraînement, ça se passait très bien et que ne comprenait pas qu'en match, ça partait en sucette, qu'on ne retrouvait pas les joueurs qu'on voyait à l'entraînement la semaine. Bon, donc je me dis que s'il y en avait qui vraiment s'étaient imposés, ils auraient joué, forcément. Malgré tout, quand tu arrives vers la fin, où tu sens que, voilà, que c'est tangent, que voilà, qu'il n'y a plus rien à perdre, pourquoi tu attends le dernier match pour faire ça? Pourquoi tu ne le fais pas 2-3 matchs avant? Parce que y a un double, c'est un double tranchant aussi par rapport à investir, à faire confiance à des jeunes dans une situation comme ça, où tu joues le maintien, où il y a de la pression, il y a de la tension. Ça peut être aussi les envoyer au. Comment dirais-je, les envoyer un peu au feu. Mais il faut que tu gardes un socle quand même de joueurs chevronnés, d'expérience. Mm-hmm. Même s'ils sont certains, tu n'es pas prêt pour jouer ce championnat non plus. Mais voilà, donc je sais pas, comme tu l'as dit, ils se sont tellement focalisés sur l'urgence de l'équipe première, parce que la situation n'était pas bonne, parce que plus les journées passaient, plus on sentait qu'on s'enfonçait, on était dans la nasse. Mais du coup, le centre de formation, effectivement, on n'a aucun retour, qui fait quoi? Qui en est responsable, comment ça se passe. Au niveau des féminines, on sait très bien qu'elles sont complètement délaissées. On a mis un directeur sportif, bien sûr, et on a suffisamment pas de compétences en France, on est allé chercher encore en Ibérique. À un moment donné, ce que je me disais dans la saison, au début notamment, on ne savait pas comment ça allait se passer, mais M. Lopez, la première... L'arrivée tardive de Petkovic, le recrutement, bon, une fois que c'est, voilà, ça y est, hein, c'est lancé, Petkovic, ça fait 2 mois qu'il est là, le recrutement, on ne peut pas en faire en attendant le mercato. Et dites-nous un peu qu'est-ce qu'il en est du reste du club. Qu'est-ce que vous faites au niveau des gamins, enfin au niveau du centre de formation, pardon, les féminines. Il y a Yuri qui était parti à Paris, pas remplacé, l'entraîneur était parti, bon, on avait fait revenir l'autre. Mais le club, ce n'est pas que l'équipe première, quoi. Et avant qu'on soit vraiment pas bien dans la nasse, il n'y a eu aucune communication. Et on sait tous, qui connaissons tous plus ou moins de près ou de loin, des gens qui sont au club, salariés du club à différents postes, que c'était l'abandon total, et que pour ceux qui étaient en plus au château, c'était pas mieux l'ambiance et l'environnement que sous Monsieur Longuepé, pour vous dire. J'ai perdu le fil. Qu'on aimerait plus de jeunes. Voilà, est-ce qu'on les a? Je ne sais pas, ça, il faudrait poser la question aux intéressés. Mais je me dis, même s'ils s'entraînent à côté, on les intègre. Si vraiment ils avaient été au-dessus du lot, je ne vois pas pourquoi ça aurait été un frein de les lancer. Ou alors. Non, mais... C'est pas le coach qui fait l'équipe et qui fait le groupe. C'est un grand débat qu'on a eu dans l'émission. Alors nous, on l'a depuis des mois et des mois, depuis 6 mois, c'est ce qu'on dit. C'est Admar Lopez. Et j'ai pas la réponse, sinon je vous pose la question. Hein. Alors moi j'ai quelques renseignements. Mais Fran Sergio qui joue sur les derniers matchs du championnat, on sait pourquoi il joue, parce qu'il doit être exposé au détriment d'autres clubs. Et je pense que tu dois le savoir. Moi j'ai des indiscrétions. Et tu sais que Fran Sergio, s'il joue, ils se disent on a fait une connerie, on est obligé de le vendre. Bon, tu t'en fous, t'as le club, il joue sa vie, mais tu t'en fous. Tu mets un de tes milieux de terrain qui est le plus mauvais de ta saison, con, mais tu gars, le fais quand même jouer. C'est le seul transfert, c'est con, c'est lui, quoi. Et ouais, et tu le fais jouer. C'est dommage pour eux, quoi, mais... Et ouais, bref. Et ouais. Et tu arrives à faire des choses incroyables avec Marcello, défenseur central, et Ahmed Guilavogou, central droit, alors que tu le recrutes pour jouer au milieu. Tu parles du recrutement, Marcello, ça fait 6 mois qu'il joue en CFA. Guilavogou, bon, ça fait un petit moment quand même que même si... Il a été exemplaire au niveau de son état d'esprit. Les matchs, ça peut, on peut les discuter, certaines prestations, mais peu importe. Au niveau de l'état d'esprit, c'est un garçon qui a joué le jeu, qui a fait ce qu'il fallait, j'ai envie de dire. C'est pas caché. Pareil, il manquait quand même de compétition. Tu le sais, ça. Voilà, tu vas jouer le maintien, donc il n'y a pas 3 mois pour qu'il se mette en condition, qu'il retrouve le rythme. Non, il faut y aller tout de suite, quoi. Comme par hasard, Marcelo se pète, Onana se pète. Voilà. Ouais. Justement... Ouais, vas-y, pardon. Après, c'est quand même ironique qu'on mette aucun argent sur le centre de formation et que c'est quand même Monsieur Lopez, il va se faire sauver un petit peu parce qu'on a récupéré l'argent quand même de deux de nos jeunes qui vont permettre justement d'éponger sa dette. Donc, c'est quand même un petit peu ironique. Ça fait partie, je pense, de concours aux circonstances et de quelque peu chanceux qu'il a pu avoir durant ces différentes entreprises
sportive, quelle qu'elle soit. Mais les masques finissent toujours par tomber. Après, c'est pas que sa dette. Hein. Il y a la dette qui date de. Non, du club. Ouais, c'est sûr. Ouais, voilà. Et je vais te donner la parole, Conan. Mais justement, ce que tu disais, ça m'amène au projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de projet à Bordeaux. C'est-à-dire que ce propriétaire-là, ouais, il ne nous a pas dit tiens, le projet, c'est ça, à part un objectif de place. Et donc, moi, ma question, c'est pour toi, comment tu vois le projet Gérard Lopez à Bordeaux? Et que penses-tu du fait qu'il ait annoncé tout de suite la remontée immédiate l'année prochaine? Ouais, je pense que tout le monde, enfin, j'ose espérer que tout le monde a compris comment ça fonctionnait avec lui. La com, les promesses, voilà, mais du vent. Voilà, du vent. Donc, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, enfin, voilà, le projet, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Je ne vois pas pourquoi il se mettra à faire un projet. Ou alors, pour monter son projet, il va falloir qu'il s'entoure de bonnes personnes. Pour l'instant, je ne les vois pas. Et je ne sais pas ce que ça sera, les moyens qu'il aura. Voilà, est-ce qu'ils savent recruter là, pour la Ligue 2 française? C'est les sbires, je ne sais pas. Non, mais moi, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Donc, j'ai envie de dire... Comment dire ça? Aujourd'hui, j'ai envie de dire à M. Lopez, pour une fois, contrairement à tout ce que vous avez fait ailleurs, voilà, partez dignement, pas en laissant un capharnaüm monumental, voilà, ça c'est bon, on a donné, et voilà, stop. Ouais. Je vote François. Non, non, mais il a raison. Voilà, j'ai peu eu depuis que la saison était terminée, je voulais pas non plus, voilà, il faut être aussi objectif, et ça me paraît légitime d'y croire jusqu'au bout, parce qu'il y avait moyen d'y croire jusqu'au bout, malgré tout. On l'oublie parce que la sentence est tombée, mais putain, quand on voit le dernier match. Bref. Et que voilà, et on fait le bilan, on fait les comptes une fois que tout est passé, que la sentence est officielle, etc. Mais voilà, je dis stop. Non, c'est pas M. Lopez de choisir un président délégué, on s'en branle. Ça, c'est... Il n'y a plus de. Non. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va être un gars qui va faire de la com, qui sera content d'être là. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Voilà, donc non, voilà, pour une fois, voilà, laisser le club dans des dispositions correctes, pas avec voilà, des ardoises monumentales et des catastrophes sociales. Voilà. Et puis arrêter de. Mais ça, c'est pas lui, hein, il a raison de continuer tant qu'on l'arrête pas. J'espère qu'un jour, il n'y a pas que lui. Je ne focalise pas sur lui. Que certaines personnes dans son registre qui voient le foot qu'à travers de moyens de faire du business au détriment de, avec l'argent des autres, hein, faut le préciser, au détriment voilà de certains clubs, de certains voilà, patrimoine, c'est un patrimoine, voilà, pour tous les gens prendre soin. Qui sont impuissants, qui le subissent, mais qui sont voilà, qui sont amoureux du club, qui ont donné de leur vie, qui travaillent. Ils travaillent depuis des années, d'autres qui voilà, donc c'est des vies qui peuvent être bouleversées aussi, voilà. Voilà, donc ouais, non, voilà, c'est stop à la. Message est passé. Conan, il y a une question sur le chat pour François. J'en ai relevé deux des questions. Une assez courte qui a été posée, c'est comme vous avez parlé avec, ou du moins que vous avez vu. Parmi tous les repreneurs qu'on avait, il y en a certains que vous avez vus. Est-ce que dans un de ces projets, vous auriez eu un rôle? Non. Tous m'ont dit que s'ils y arrivaient, ils comptaient m'intégrer à leur projet. Mais bon, on ne m'a pas donné de rôle précis. Donc, voilà. Alors, il y en a eu, voilà. Précisément, il y en a eu deux qui m'ont verbalisé ça. Non, trois, pardon. Trois. Voilà. Donc, ça fait, ça fait 3 sur 4 que j'ai eu. Donc, ou que j'ai eu. Après, vous savez, les promesses, on peut, voilà, on peut que promettre. Mais j'ai rien eu de concret, voilà, si c'est ça que je peux vous dire. Mais il y en a 3 sur 4 qui m'ont dit que, voilà, si c'était eux, ils comptaient s'appuyer sur moi. Mais ils m'ont pas dit où, quand, comment. Voilà. En tant que latéral droit, peut-être. Hein? En tant que latéral droit, peut-être encore. Non. Ah ouais, alors, peut-être pas latéral droit, parce que c'est fini maintenant, tout ça. Mais en travaillant dans l'ombre et à œuvrer à quelque niveau que ce soit pour aider le club, ça c'est certain. Voilà, moi la lumière, j'en ai rien à carrer. Je l'ai eu, je ne cours pas après ça.
Et voilà, donc voilà, moi c'est pour aider le club, pas pour me servir du club. Et c'était quoi l'autre question, Conan? Bah justement, c'est amené à votre poste que vous jouiez. C'est Olive Land qui l'a posé. En tant qu'ancien défenseur, est-ce que vous avez une explication sur sur notre record de buts encaissés? De quoi ça pourrait venir, d'après vous? Oh, alors là, c'est comme on le dit souvent, c'est bateau, mais c'est vrai. Même s'il y a pas mal quand même de situations où il y a de grosses erreurs défensives, donc de défenseurs. Après, il y a des buts aussi où c'est collectivement que défensivement, c'est pas irréprochable. Ouais, mais moi qui ai été défenseur à une époque où ben, on jouait les premiers rôles, donc on avait la chance d'être conquérant sur le terrain, donc on pressait beaucoup, on récupérait des ballons assez haut sur le terrain. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de passes décisives, j'arrivais à briller offensivement parce qu'on jouait comme ça. Mais quand j'entrais sur le terrain, il y a quelque chose de fondamental, c'est que j'étais défenseur d'abord. Donc ma fonction, c'était un, d'être irréprochable défensivement, que ce soit tactiquement, dans mon placement, dans ma concentration, à l'alignement par rapport à la défense centrale, la fermeture côté opposé, en contrôlant ce qui se passe dans mon dos, on va y revenir. Et quand j'avais un adversaire direct ou quelqu'un dans ma zone, il ne fallait pas le voir. Ça, à partir du moment où c'était cadré ça, et que le match, les circonstances du match, la physionomie d'un match me le permettaient, après, ben, j'avais la caisse, je travaillais pour, et je pouvais faire des allers-retours, et j'allais essayer d'apporter offensivement. Aujourd'hui, et ce n'est pas propre à Bordeaux, à ce poste de latéral, regardez la finale de la Champions League, je vais y revenir, mais je vais continuer sur ce que je dis. La plupart des joueurs de couloir, alors selon qu'on joue à 4 ou à 3 ou 5, appelez ça comme vous voulez, soit latéral, soit piston. Piston. Ouais. Mais en fait, c'est la même base. J'ai l'impression que pratiquement tous les joueurs, ah, de rares exceptions près, ceux-là, bon sang, je les aime, hein, ils pensent en rentrant sur le terrain au dépassement de fonction avant de penser à la fonction. Et tu te retrouves avec des joueurs qui ont du talent, qui sont brillants, donc on en fait des caisses. Mais regarde, encore qu'il faut, ils sont brillants, ils ont du talent, ballon au pied, c'est ce que je veux dire. Ils vont vite, ils sont à l'aise avec le ballon. Mais bon, après, il faut que ce soit efficace. Moi, je veux bien que tu ne sois pas terrible défensivement, mais à ce moment-là, tu marques des buts, tu fais des passes décisives, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais surtout, combien de buts on prend par ta responsabilité directement engagée? Trent Alexander-Arnold, finale de Champions League samedi, j'étais au match. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une action sur le côté Valverde qui déborde, qui met, je ne sais pas s'il lève la tête, il met un centre à l'aveugle. Donc, ballon côté opposé, t'es latéral. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu fais ta fermeture dans l'axe, tu t'approches de ton central, mais tu te mets en trois quarts. C'est-à-dire que tu dois contrôler le ballon et l'adversaire éventuellement que tu as dans ton dos. Parce que dans ton dos, il fait ce qu'il veut. Donc, tu le perds de vue. Et à un moment donné, tu vas te retourner, c'est trop tard. Lui, il a pris le temps d'avance et il te la met au fond. C'est exactement ce qui s'est passé, vrai ou pas vrai? Ouais, il est tout seul. Je dis, Alexander Arnold, il y en a beaucoup qui ont dû dire, il a fait un super match, on l'a vu ballon pied, il a une super qualité de pied. Il est offensif, il est élégant, mais il te coûte le but, pardon. Voilà. Et on est en finale Champions League et c'est un des meilleurs joueurs à son poste. Il joue à Liverpool. Mais ouais, mais mon coco, t'as oublié un fondamental là, sur ton coup, quoi. Alors, il y a la fatigue, il y a truc. Mais je fais exprès de prendre cet exemple-là parce que c'est ce qui se fait de mieux. C'est une finale de Champions League. Ouais, c'est très haut niveau. Ouais. Et à Bordeaux, combien de fois on l'a vu? Voilà. Justement, François, est-ce que ça t'a pas choqué? Que dans cette saison où on a été en grande difficulté sur le poste des latéraux ou des pistons, quand même, ça a été une des problématiques pour moi majeures de la saison. Ouais, pas que cette saison. Pas que cette saison. Et on pensait qu'ils avaient identifié ça, puisqu'il y a eu des recrutements à ces postes-là. Ouais, pardon, exactement. Non, mais tu as raison. Si ce n'est que les profils des joueurs recrutés n'étaient pas forcément mieux, meilleurs que les autres. Mais. Pour ça, il faut connaître le football aussi. Ouais. Ou alors, c'est aux entraîneurs de dire non, celui-là, il vous plaît, il a sûrement de la valeur marchande et il va avoir de bonnes notes dans le journal. Mais moi, je veux d'abord un bon défenseur et ce n'est pas ce profil que je veux. Moi, on m'en a recommandé un ou j'en ai vu un. Je veux ce profil-là pour te donner une idée. J'ai un mec qui va assurer défensivement parce que c'est ça qu'il nous faut avant tout. Le reste, on fera avec ce qu'on a. Voilà, donc ça a été ciblé. Bon, ça, après, tout le monde pouvait le faire, donc ce n'est pas très pas la compétence qui a fait la différence. Par contre, dans le choix des joueurs, force est de constater qu'on s'est encore foutu dedans, quoi. Voilà. Et oui, surtout à droite, parce qu'on avait un mec qui s'appelait Youssouf Sabali, qui était ce qu'il était, mais qui avait un niveau bien meilleur, je trouve,
que les joueurs qu'on a eu cette saison. Ouais, d'accord. C'est plus complet. Ouais. Ses matchs et qui avait beaucoup plus son poste, en tout cas, qui était beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus compétent. On a fait le pari de Dembélé, qui était très jeune, qui a beaucoup de lacunes, selon moi, en tant que piston ou arrière droit, dans son rapport déjà aux autres, même sur le terrain, je trouve. Alors, et qui a beaucoup de qualité, hein, par ailleurs. Je suis sûr qu'il a beaucoup de qualité. Ce gars, non, il a du potentiel. Voilà, il a, dit, il a du potentiel, mais si tu veux mon avis, jamais pas à ce poste. Même s'il progresse, pas à ce poste. Ouais, j'entends. Et d'ailleurs, je crois que c'était pas son poste, je crois qu'il jouait dans l'axe. Plutôt axe. On l'a recruté. Axe droit, ouais. Plutôt axe droit. Voilà. Il a été formé. Ouais. Et est-ce que ça t'a pas choqué qu'on recrute pas justement à ce poste? Moi, ça m'a choqué concrètement que sur les latéraux et les difficultés qu'on a eues dans la saison, notamment sur ce côté droit, quand on a vu que seul Pembélé, quelque part, jouait. Et que Kouateng était en grande, grande difficulté, comme il est depuis, chez nous depuis très longtemps, et qu'on s'est retrouvé, malheureusement, dans la saison, à mettre même Tom Lacou, pas du tout à son poste, sur ce côté-là. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué personnellement. Même s'il y a eu des concours-scondances, des suspensions, des blessures pour les garçons recrutés à ce poste, ça prouve bien qu'il n'y avait personne qui s'imposait, qui a donné satisfaction à ce poste, comme tu dis. Sur le côté gauche, il y a eu Mangas, après, il y a eu Mensa, que je trouvais bien meilleur personnellement, même s'il a fait des boulettes, il s'est emporté par son excès d'engagement, parfois c'est sa fougue, mais au moins il y avait le profil, il y avait du vrai peps, il y avait de l'engagement, je préfère ça. Manga, je ne doute pas que c'est un bon garçon, on l'a vu, il a été profondément marqué, il fait partie des rares où on voyait qu'il était marqué par tout ce qui s'est passé et quand le coup est tombé. Mais c'est voilà, donc c'est pas contre lui personnellement, mais c'est pas son poste non plus. Il y a pas c'est pas un profil de, enfin en tout cas comme moi je le vois personnellement, attention. Et comme je pense on en avait besoin dans ce championnat là, le championnat qu'on a joué, un championnat laborieux, celui du maintien. Voilà, clairement on n'avait pas des vrais défenseurs, voilà. Et on n'avait pas besoin d'attaquants, hein, au poste latéral droit. Hein. Il fallait de vrais défenseurs. Il y a Cédric qui mettait sur le chat, on demande trop de polyvalence aux latéraux. Non, pas forcément. Ça doit faire partir de ton bagage à ce poste aujourd'hui. Aujourd'hui, pour jouer à ce poste, que tu joues à 4 derrière ou que tu joues à 3 ou 5 pour revenir sur les schémas tactiques comme ça, donc arrière ou piston, tu dois avoir dans ton bagage, après c'est comment on te fait travailler, mais tu dois avoir dans ton bagage, tu dois avoir la caisse, tu es capable de faire... T'as vu au niveau des grands clubs, quand tu as la Champions League, quand tu as les matchs internationaux, t'as vu la caisse qu'il faut, tu les vois les mecs. Mmh. Aujourd'hui, tu prends ces postes-là à Bordeaux, alors, ok, c'était pas forcément, on l'a constaté malheureusement que c'était pas des spécialistes du poste, voilà, mais on finissait chaussettes en bas au bout de 10 minutes en deuxième mi-temps, on faisait un effort, on revenait en marchant ou en trottinant, t'as l'impression que les gamins sont pas prêts pour jouer à ce poste, tout simplement. Il faut avoir la caisse et il faut, je te dis, fondamentalement, et ça c'est le message qu'on te donne, que ce soit quand tu es en formation, les éducateurs que tu as, et après quand tu es en pro, les entraîneurs que tu as, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend de toi. Peut-être qu'il y a des entraîneurs qui disent à ce profil de joueur, écoute, je veux que ce soit l'attaquant que tu as sur le rab, je veux que ce soit lui qui te marque. Donc tu vas faire que monter. Pourquoi pas? Ça peut arriver, hein, c'est des consignes d'entraîneurs, comment ils souhaitent jouer, etc. Mais bon, c'est l'exceptionnel. À la base, à ce poste, d'abord, tu es défenseur, tu fais ton taf. Alors, c'est quoi ton taf? Parce que quand on voit, que ce soit les latéraux ou des erreurs défensives tout au long de la saison, qui se répètent, avec toute la vidéo, les datas, les ceci et cela, alors soit les joueurs sont cons comme des manches, ils ne retiennent jamais ce qu'on leur dit, soit on est incapable de les corriger, de les faire travailler, de leur montrer ce qu'il faut travailler, comment il faut le travailler pour rectifier le tir. Mais c'est dramatique. Combien tu as vu d'erreurs récurrentes? Les centres côté gauche. C'est des trucs que j'ai appris à la base. Je jouais pas. J'ai une formation de joueur offensif. Je jouais pas latéral quand j'étais gamin. J'ai joué toujours dans l'axe ou milieu droit. Mais quand je jouais milieu droit en moins de 17, les premières choses qu'on m'a appris, c'est d'aller faire mes côtés opposés, même en milieu de terrain offensif. Hein, quand le ballon est à l'opposé, après tu peux aller cavaler et faire ton appel, etc. Mais de fermer, de garder un œil dans ton dos, parce que le latéral, s'il y a le transversal, s'il fait la course, donc toujours contrôler pour pas te retrouver à courir après, mais d'anticiper un minimum. Enfin voilà, pour moi, c'est des bases, ça. Et ok, ils n'ont pas été bien formés, on ne leur a pas inculqué ces bases-là.
Mais ils sont malléables, les joueurs. Ça fait partie de leur pédigré ou de leur bagage d'être, d'avoir une forme de polyvalence ou de travailler pour progresser avec la vidéo. Mais est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'on leur fait faire? Et surtout, est-ce qu'on le fait bien faire? À savoir, voilà, on a analysé. Tiens, tu fais ça une fois, deux fois. Non, on va travailler. Ou alors, on va t'expliquer comment il faut faire. Regarde, telle situation, le ballon est là. Stop, les gars. Qu'est-ce que tu fais là? Si le ballon il va là, qu'est-ce que tu fais? Mais ça, il faut le savoir, le faire faire. Il faut l'avoir détecté et après, il faut savoir corriger. Et je ne sais pas, moi, je n'assistais pas aux entraînements. J'aurais voulu, d'ailleurs, je n'aurais pas pu. J'aurais voulu, je n'aurais pas pu, mais… mais non, tu n'as plus le droit maintenant. Mais voilà, il y a des carences à ces postes et à d'autres. Mais je me dis, mais bon sang, mais… Enfin, je ne sais pas. Je suis peut-être passé mes diplômes, en fait, je ne sais pas. Mais, spécifique non, défenseur, par contre, parce que le reste, jamais. Mais, non, voilà, ça revient à ce qu'on disait. On n'a pas les bons profils. Mais quand même, il y a des gamins qui, même si on n'a pas le profil, ça se travaille, quoi. Ou alors ils ne veulent pas travailler, ou alors ils ne comprennent rien, ou on ne sait pas les faire travailler. Je ne sais pas. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Tu poses les problèmes. En plus, toi, tu es joueur pro, contrairement à nous qui ne sommes que des observateurs. Oui, et puis je suis particulièrement sensible à ce poste-là, évidemment. Tu vois, je ne permettrai pas de porter d'autres jugements aussi, aussi carrés, aussi convaincus, enthousiastes par rapport à d'autres postes. Mais ça, voilà, c'est tellement, pour moi, ça me paraît tellement évident. J'ai dit, bordel, c'est pas vrai, quoi. Voilà, et je te dis, quand je vois Liverpool, finale Champions League. Alors voilà, bon là c'est un autre rythme aussi. C'est quand même le gars, il avait peut-être le droit d'être plus lucide à un moment donné, d'oublier les fondamentaux. Mais putain, c'était quand même du blabla là ce qui s'est passé quoi. Le gars qui rate que le ballon et l'autre le Vinicius qui vient. Oh merde, trop tard. Ben ouais. Eh oui. Bon messieurs, 20h48, on a explosé le Je suis dispo encore, si vous voulez. Je suis 10 minutes encore, si vous voulez. Je dis 10 minutes traditionnelles, mais non, si vous voulez d'autres choses qu'on a voulu aborder, bien sûr. Voilà. Non, on peut discuter, nous, c'est un plaisir. Hein, donc, messieurs, vous avez une question, Gino Mais moi, par rapport à une dernière question, c'était sur l'autonomie du groupe. Moi, c'était quelque chose qui me paraissait très important. C'est parce qu'on ne l'a pas senti cette année, mais même depuis des années, mais cette année encore plus. On en parlait avec d'autres collègues à toi, que ce soit Lassina Diabaté ou même Eli Bob qu'on avait eu le plaisir de recevoir. Et on sait que dans ces années-là, qui ont été extraordinaires pour nous à vivre, vous, en tant que groupe, autant il y avait un apport fondamental, bien sûr, du coach et d'Eli Bob qui a donné une pierre énorme à l'édifice, autant en tant que joueur, vous saviez aussi être en autonomie, j'ai envie de dire, avec des cadres et des leaders comme toi, tu pouvais l'être, comme pouvait l'être Michel Pavon, comme pouvaient l'être sûrement d'autres joueurs dans l'équipe. Lasland, Ulrich, ouais. Voilà. Et moi, ce qui me choque depuis des années, et notamment cette année, c'était encore plus exacerbé, c'est le manque justement de leader et d'empreinte au-delà de l'entraîneur et de ce qu'il apporte ou pas pour changer des fois la situation. Et je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti comme tu as suivi bien tous sûr. Les matchs en plus du bord. Bien sûr, alors ça aussi, je vais revenir bien sûr sur Bordeaux parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais je pense que c'est pas propre à Bordeaux non plus. Je pense que c'est générationnel aussi. Beaucoup de joueurs aussi, de nouvelles générations, sont centrés sur leur performance, sur leur carrière. Et si c'est pas eux, c'est l'entourage, hein, les agents, la famille éventuellement. Enfin bon, les temps ont changé. Les générations évoluent, elles sont ce qu'elles sont. Et on en pense qu'on veut. On est nostalgique aussi, mais bon, il faut vivre avec son époque. Malgré tout, par rapport à ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'extérieur, moi, que je trouve fondamental, et on l'a eu sous nos yeux à Bordeaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on avait analysé un peu ces choses-là aussi. Je crois que ils avaient fait venir Chantôme, je crois, pour un peu dans cet esprit-là, un leader, un mec qui a vécu avec des joueurs de haut niveau, dans un club de haut niveau, etc. Bon, bref. On a pensé ça avec Costil, on a pensé ça avec Koscielny, j'en oublie peut-être, des gars qui avaient ce profil qu'on a pris un peu pour ça, des Marcelo, Guy Lavogui. Le problème, c'est que aujourd'hui, je pense que si tu n'as que 2-3 joueurs comme ça dans un groupe, malheureusement, je pense que ce n'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 2-3 joueurs qui sont censés avoir le leadership et tirer tous les autres vers le haut, se retrouve tellement en infériorité dans la masse, dans le groupe en lui-même, que voit bien que vous devez constater qu'à un moment donné, ils pissent dans un violon, et que du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer les autres vers le haut, c'est eux qui sont aspirés vers le bas. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Et je le répète, je crois que ce n'est pas propre à Bordeaux, mais comme on l'a eu sous nos yeux,
Voilà, moi j'ai l'impression que tous ces leaders potentiels qui n'ont jamais réussi à s'imposer ou qui n'ont pas eu le leadership qu'on voulait leur attribuer et qu'on ne constatait pas, il faudrait leur demander. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Et que voilà, parce que qu'on parle de ces joueurs-là, c'est des joueurs qu'on, de par leur âge, leur génération, qui ont connu un peu la croisée de ces générations, qui ont connu un peu l'ancienne et le début de la nouvelle, et qui finissent avec la nouvelle. Et je pense que voilà, ils sont voilà, je le résume comme ça, que ils sont censés tirer le groupe vers le haut, mais s'ils sont pas suffisamment nombreux, pas forcément en majorité, mais plus nombreux que ce qu'ils ont été à Bordeaux, notamment, je pense que ils n'arrivent pas à tirer les autres vers le haut et du coup ils sont aspirés vers le bas. Voilà. Joe, une dernière question ou Romain? Non, ça, ouais, j'avais une petite question par rapport à, ça rejoint effectivement les jeunes qu'on n'a pas intégrés et tout ce que dit François justement par rapport au fait que les leaders n'arrivent pas à avoir la main sur le groupe. Comment s'est passée l'intégration des jeunes ou des nouveaux à l'époque? Toi, quand t'arrives en 92, si je dis pas de bêtises, au niveau de l'effectif professionnel, à l'époque où Bordeaux était en division 2 ou pour remonter juste en division 1. Comment ça se passait, en fait, à l'époque, toi, l'intégration en tant que jeune, comment t'es intégré dedans? Est-ce que tu, de toute façon, tu comprenais, je suppose qu'au départ, t'avais pas grand chose à dire, que tu faisais ce qu'on te demandait, et puis voilà, c'était un peu ça. Ah oui, 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 c'était la mentalité, le postulat était celui-là, forcément. En plus, moi, j'étais quand même assez timide, pudique, donc, voilà, je ramenais pas ma fraise, hein, je ramenais des ballons, même si on ne le demandait pas, même, laissais choisir le numéro du maillot parce que j'étais jeune et que c'était pas à moi de mettre un. Enfin, voilà. Il y avait des bizutages, peut-être aussi, non? Non, j'ai pas connu ça. Non. Avant, moi, j'étais gentil, j'étais timide, mais bon, il fallait pas non plus abuser. Je pense qu'il y avait un. Générationnellement parlant, c'était intégré. Nous, les jeunes, on savait que voilà, on devait se faire petit. Ça voulait pas dire qu'une fois que tu étais sur le terrain, il fallait s'imposer, hein. Il fallait se faire place aussi. Il fallait pas les regarder jouer, il fallait au tampon, tout ce que tu veux. Mais dans tout le reste, voilà, tu mettais en retrait, si je puis dire. Tu faisais profil bas. C'était logique. Et puis, si tu avais des branleurs, soit tu avais des groupes, ils se faisaient reprendre de voler clairement. Il se faisait casser l'entraînement, il se faisait envoyer. Ou alors, si ce n'était pas ça, la sanction, elle se faisait d'elle-même. C'est-à-dire que le mec était marginalisé et il s'est retrouvé isolé. Il s'auto-excluait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, j'ai envie de dire qu'à l'époque, moi, j'ai l'impression que ça se faisait, c'était naturel, quoi. Tu vois C'était l'intérêt collectif en premier, quoi. Ouais. Et puis il y avait ça bien ancré. T'es un jeune, ouais, tu portais ballon. Tu volais pas les chaussures. Hein. Tu volais pas les chaussures pour les revendre sur Vinted. Non, mais ils font ça maintenant à Bordeaux. C'est pour déconner. Non, parce qu'il n'y avait pas Vinted à l'époque. Non, mais tu rigoles, putain, jamais de la vie. Moi, après, il y a eu des trucs entre jeunes. Vous savez, dans les centres, il y avait des mecs qui piquaient des trucs. Moi, j'ai fait le bataillon de Joinville, je m'étais fait piquer un téléphone portable par un collègue. Enfin, les cathos, il y en aura toujours. À notre époque, c'était, j'ai envie de te dire, on ne se posait pas la question, c'était naturel. Et c'était qui les leaders à l'époque? Ils se faisaient reprendre de voler, crois-moi. Et c'était qui les leaders? Par tous les autres. Quoi. Par le groupe. Et c'était qui les leaders du groupe à l'époque quand t'es arrivé, toi, du coup? C'était qui avait Moi, à l'époque, la référence, le monsieur, là, c'était Larouille, hein, c'était Didier Sénac. Hein. Il y avait Jean-Luc Dogon, j'en oublie d'autres, là. Bichente, oui, bien sûr, Bichente. Du gars, c'était le branleur, lui. Il fallait te reprendre de voler, il te reprenait de voler. Il y avait des vraies personnalités et qui s'imposaient d'elles-mêmes. Et en plus, nous, de par notre génération et sûrement ma génération, notre éducation, c'était naturel. Donc, il y a eu très peu de soucis. Et quand il y en avait un qui osait un peu faire le fanfaron, je la racontais un peu, je peux te dire que voilà, il se faisait reprendre le volet d'une façon ou d'une autre. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, il faut pas dire que c'est mieux à l'époque. Je pense que ça a évolué, les générations ont évolué. Même si les bases d'éducation, j'ose espérer, demeurent indéboulonnables. Les bases, les fondamentaux, mais bon, je ne sais pas. La masse dans un groupe aujourd'hui,
Si tu as une majorité de branleurs, une masse de branleurs, elle prendra toujours le dessus sur disant, les leaders ou ceux qui sont censés avoir ces bases-là et être censés les tirer vers l'eau. Il faut qu'ils soient en majorité, ceux-là, sinon ça ne marche pas. Ou alors, ouais, c'est l'autorité du club et des dirigeants qui doit s'imposer. Faire respecter l'institution et respecter le cadre, c'est ce qui a manqué cette année. Évidemment, ouais, c'est évidemment. L'intérêt collectif. Ouais. Ouais. Mais il y a tellement de pilotes dans l'avion. Hein. Ouais. Romain, et il reste 5 minutes, les gars. Romain, et après Conan, et après on te libère. Romain, depuis Toronto, ouais. Et justement, Tabarnak là-bas, alors là. Ah, c'est les Québécois, ça c'est les Québécois. Ah merde, je parle anglais chez moi. Il y a un accent différent quand tu parles français au Québec ou quand tu as un accent canadien comme le tien. J'ai pris l'accent anglais, en fait, vu que je parle toujours anglais, j'ai pris mon accent français, s'est transformé en accent anglo. Ouais, tu parles anglais comme Céline Dion, alors. Hein. De quoi? Tu parles anglais comme Céline Dion, alors. C'est vrai que c'est ça, en fait. C'est ça. Je déconne, je te taquine. Après, c'est une géante ici, attention, c'est Nico. Ouais, on touche pas à Céline. Hein, ici, non, mais c'est un peu comme François à Bordeaux, attention. Et ouais, c'est ça. On touche pas aux icônes. Jamais touché aux icônes. Moi, je leur ai dit une fois que je pensais que Céline Dion était française. Ils ont failli me la refaire. Hein, mais non, c'est vrai qu'une question, j'ai envie de dire, un peu typique fin d'interview, c'est comment tu vois les Girondins dans les cinq prochaines années, en fait, que ce soit en Ligue 2 ou reconstruction. Enfin, comment tu as dit que tu étais pessimiste, mais j'ai envie de dire. Je suis pessimiste, je le redis. Hein. Par rapport au passage dans la DNCG. On va dire qu'on reste en Ligue 2 et l'année prochaine, on recommence avec Monsieur Lopez. Comment toi, tu vois les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu espérerais, en fait, et qu'est-ce que tu... Ton projet idéal, là. Mais le projet idéal, je pense qu'il est le même pour tous, les gars, qui aimons le club, qui sont attachés à son histoire, à sa particularité, parce qu'il y en a une. Il faut évoluer avec son époque. Bien évidemment, mais j'ai grandi à Bayonne, je suis beaucoup le rugby. Et je dis que les fondamentaux sont inébranlables. Si tu commences à les bégayer, si tu commences à les bafouer, tu te fais taper. Voilà, tu n'as rien à espérer. Donc, j'ai envie de dire, ce serait remettre des fondamentaux en place. Et redonner. Je vais parler, parce qu'on n'a pas le temps pour rentrer dans le détail, je vais parler de manière assez générale. C'est redonner l'identité au club. Et voilà, et pour donner de l'identité au club, il faut des personnes qui veulent le servir, qui ne veulent pas s'en servir, qui s'y impliquent, qui n'ont pas envie de lumière, qui ont envie de travailler pour le club, de le faire avancer. Et qui l'ont connu, qui le respectent, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là doivent être entre guillemets au pouvoir. Mais ces gens-là doivent être dans l'opérationnel, voilà, dans le quotidien, dans les bases, voilà. Moi, je comprends pas pourquoi, toutes les dernières personnes qui ont été les unes après les autres depuis GACP au club, n'ont pas cherché à en savoir plus sur ce club. Alors, ok, on connaît le palmarès, on connaît l'histoire, ouais, ben on va tous l'apprendre, hein, on va regarder Wikipédia. Mais est-ce que tu imprégné? Est-ce que tu sais vraiment ce que ça représente? Il n'y a pas 30 solutions pour ça. Il faut consulter des gens qui ont la mémoire de ce club, qui savent objectivement que les temps changent, que ça doit évoluer, mais qu'il y a des choses qui sont indéboulonnables. Malheureusement, elles ont été déboulonnées. On en est là, chercher l'erreur. Ouais. Donc, je le vois avec revenir aux fondamentaux, redonner l'identité, la formation, bien évidemment, qui plus est, autant que faire se peut, j'ose espérer que c'est encore possible avec des gamins du centre, mais pourquoi pas un maximum de gamins de la région. Bon, ça, on se les fait chipper à droite, à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, remettre l'église au centre du village.
Très bien. Et ça allez, la dernière. C'est très beau, bien. La... C'est et je fais un petit coucou aux sociaux de notre Web TV qui ont fait une série de 3 émissions. Ils en ont fait 2 sur Décide-moi les Girondins où ils ont élaboré un projet idéal et tout avec plein de questions. C'est en replay sur la chaîne. Donc allez le voir, c'est vachement bien. Fred, Charles, Nikos et les autres. Allez, Conan, une question du chat. Il est 21h01 et après on libère François qui est resté plus longtemps que prévu. Alors, on va dire, c'est une remarque qui a été faite que je vais formuler sous une forme de question de Papou Gamer. Là, ça me fait peur. Là, ça me fait peur. C'est quand je mets ma sauce, ça fait peur. Donc, moi, je me les protège bien, moi. J'étais un boucher aussi. En tout cas, le match légendaire des Girondins contre le Milan AC, il n'y avait que des guerriers comme François. Et il a dit, on ne verra plus jamais ça, hélas. Tiens, regarde, je l'ai son. Non. Je le remercie, Papou. Tout ton avis à toi. Je l'embrasse. Non, mais j'étais pas le seul. Sinon, voilà, on n'aurait pas été... On n'aurait pas été en finale, on aurait même pu la gagner, il faut le savoir, ça, beaucoup de gens l'ont oublié, mais quand ça se jouait sur match aller-retour à l'époque au match aller, on a les meilleures occasions, bon bref, on va pas refaire l'histoire, mais il y en a eu après, non, je suis convaincu qu'il y aura, mais il faut les trouver, il faut les détecter, il faut parfois, je pense, aussi dans tout ce qui est travail de détection, il y a bien sûr la qualité, il y a l'objectif de trouver la meilleure qualité possible parce que la formation aboutit, c'est un gamin que tu formes, c'est un gamin qui réussit chez toi, qui est très bon, qui performe et que tu vas vendre à un moment donné au plus offrant et que en espérant que ce plus offrant le revende après à un autre plus offrant et que ça retombe un peu comme pour Tchouaméni et Koundé peut-être, ça va le faire là. Mais malgré tout, je pense que voilà, dans cette détection, qui plus est, si on veut garder, avoir cette identité, voilà, choisir des profils de joueurs aussi qui ont cette mentalité-là. Voilà. Il a peut-être pas souvent 8 sur 10, mais il a 6-7 toute la saison. Alors que l'autre qui a 8, il a 8 2 fois en saison. Le reste du temps, il a 2 ou 3 sur 10. Et bien moi, j'ai vite choisi. Tu vois, dans le profil de joueur, quoi. Des gens, voilà, comme on disait, qui se battent, qui vont au tampon, qui. Voilà. Et de très bons joueurs qui vont au tampon, il y en a aussi. Donc, ce n'est pas incompatible. Hein. Voilà. Mais voilà, après, est-ce que tu as ce profil-là en magasin, comme on dit et si tu ne l'as pas, ben, il faut le rechercher. Et s'appuyer peut-être dessus pour que ça vienne à un moment donné pousser à la porte et qu'on se retrouve avec une équipe autour de cet état d'esprit, de cette mentalité. Je suis sûr que même si on jouait le maintien, il y aurait plus de monde au stade. Oui, c'est une question d'identité. Pour nous, l'identité, on en parle toutes les semaines. Bien sûr. Depuis des années. Voilà. Depuis, non, pas des années, mais peut-être, oui. Depuis la vente du club. Depuis des années, Depuis 3 ans, c'est déjà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que François en parle bien. En fait, là, depuis qu'on fait l'émission avec lui, moi, il y a plein d'images qui me sont revenues en tête de lui. Je revois son premier, je crois que c'est contre Lyon. Tu marques en 94-95, ou tu marques, ou t'égalises partout. Je revois le téléfoot que j'ai vu ce jour-là, où je te vois comme ça, en train de, où tu marques à la dernière minute pour égaliser. C'était particulier, mon poulet, ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu le savais, mais bon, j'étais tellement content de marquer. Je rentre 5 minutes, je marque. Bon, ça, c'est mon premier but en professionnel en plus. Hein. Mais en plus, mon grand-père paternel était décédé la veille. C'est ça, son père à lui était, le grand-père de mon papa était abonné en tribune de face. Il a amené mon papa au match et ça. Il a toujours suivi les journées. Il était fier que j'arrive au bout du parcours, que je devienne professionnel et tout. Et il est décédé la veille, tu vois. Et j'étais resté dans le groupe quand même. Et je rentre 5 minutes, comme quoi le destin c'est fou. Hein. Je rentre 5 minutes, j'ai une occasion et je fous la tête au fond. Hein, voilà. Mais c'est une histoire qui représente, fait pleinement l'identité du club. C'est justement ça, c'est une histoire justement de famille à l'arrivée, tout ça qui est liée par. Voilà, et t'as les Girondins de Bordeaux dedans, en fait, du coup. Et c'est ça dont on parle, l'identité, etc. Tout ça, ça fait partie justement des histoires et des belles histoires humaines qu'il y a justement à voir dans un club de foot, dans une structure collective. Et je revois même aussi cette finale de Coupe de la Ligue, là, malheureusement, en 98, où moi, tu sors sur une blessure avec Franck Gava, où il y a un contact, où la jambe y reste, malheureusement. Et puis l'année suivante, tu es champion de France à l'arrivée. Je rejoue mon premier match, et il me faut opérer les croisés, rupture des ligaments croisés antérieurs, au genou droit. Alors j'avais bien fumé le truc, j'avais le ménisque externe, le point d'angle postéro-externe, le condyle fémoral. Ouais. Enfin, je revois l'image, j'ai vraiment l'image de la jambe qui. Et je rejoue mon premier match en réserve, je crois, 5 mois et demi après l'opération. Déjà. J'étais resté interne en réduc, je faisais 8h, 13h, 14h, 18h, et j'ai fait ça pendant un mois et demi.
au grand chêne chez Papy Montero là-bas. Voilà, j'étais bien suivi de près tous les jours, je faisais que ça, j'étais professionnel, c'était la moindre des choses. J'ai pas eu de soucis, mais c'était top. Ouais. Donc, je vais te dire, hein, j'échange pas la finale de la médaille de la Coupe de la Ligue quand tu es champion. C'est ça, ouais, ouais. C'est clair. Hein. C'est et tu vois, et je suis retourné, au Stade de France, j'y suis retourné pour la finale dans les tribunes, pour la finale Champions League. J'étais jamais retourné. La dernière fois que j'étais au Stade de France, c'était là. Quand je me suis fumé le genou sur le terrain, j'expliquais à mon fils. Il dit, oh putain, c'était là. Ben oui, c'était là. Fou. Ouais, ouais, j'étais pas retourné. Ah, j'ai pas assisté à un événement de quoi que ce soit. On était dans les tribunes. Et waouh, je dis quand même, impressionnant ce stade bordel, quoi. Ouais. Bon. Voilà. François, faudra te réinviter parce que pour parler d'identité, quand je crois qu'est-ce qu'il faut. Quand vous voulez, les gars, avec plaisir. Voilà, on fera avec ça. Merci beaucoup pour cet échange d'une heure. Hein. C'était, on avait merci à vous. Merci, ouais. merci pour tout. Merci à vous. À votre dispo, avec plaisir, si on se croise. Portez-vous bien et puis il faut y croire. Il faut garder la foi, les gars. Il faut garder la foi. Mais oui, toujours. Il faut rester positif. Mais bon, voilà, moi j'ai envie que. Voilà, j'ai pas envie que les gens qui sont censés faire du bien mais qui finissent toujours par faire du mal continuent d'avoir les clés du camion. Voilà, je dis ça humblement, mais c'est perso, mais voilà, ça me scie un peu les trucs, quoi. Voilà. Les bien-pensants, comme on dit. Exactement. Oui. Parole, et parole, et parole. Allez, c'est un artiste. Bonne soirée. C'est Dalida. C'est pas Dalida. Dalida, ouais. Allez, salut. Ciao, les gars, merci pour ça. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Allez, messieurs. Bon, ben voilà, c'était sympa. Ça met du baume au cœur. Ah, tiens, et regardez, un invité prestigieux. On remplace un autre. Oh là là. Un invité. Ouais, Monsieur Samuel Vasselin qui fait là, il est là. Que d'honneur. C'est beau l'enchaînement. Voilà. Que d'honneur. C'est la relève, c'est la jeunesse. Voilà. 21h07, par contre, on est à la bourre. Non, mais Samuel, il a une journée de fou parce que là, il sort du travail. Les joies de la circulation parisienne. Tu sors du travail et tu viens avec nous et après, tu vas faire une émission au Club des 5. Club des 5, ouais. Ouais. Sur Bordeaux, spécial Bordeaux. Sur Bordeaux, en plus. Spécial Girondin et nos amis, nos frères stéphanois qui nous accompagnent en Ligue 2. Quand même. Allez, les morts vivants, Walking Dead, bonjour. Super sub, dit Gérard. Et si vous avez envie de m'écouter dire des bêtises, j'y serai à 23h15. Ça 23-15, ouais. Putain, je suis. Je stresse, Club des 5. Tu sais que c'est avec Samuel à la présentation. C'est dans la tête, Nico. C'est dans la tête. Je suis en stress, les gars. Non, mais on va pouvoir se refaire un petit peu tout le déroulé de la saison. Et, et on va parler un petit peu des choses qui fâchent aussi. Aïe, beaucoup. Je sais pas si je vais venir. Gentiment, bien sûr, mais. Je sais pas si je vais venir. On a deux commentaires qui se suivent de Christian qui dit un barbu remplace un barbu. Et Pierre de Tousso en dessous qui écrit il a joué à quelle époque lui? une époque qui va arriver bientôt. sur PlayStation, hein, c'est bon. Ah, bon, messieurs, l'émission est finie en fait. Il y a deux thèmes qu'on va pas faire. Je sais pas. Non. Ce que je vous propose, parce que là, Samuel, il s'est connecté. Je lui dis, il me dit, je me connecte ou pas. Je lui dis, vas-y, viens nous faire un coucou. J'ai des petites indiscrétions mercato. Alors, c'est stade de rumeur. Hein. C'est pas vraiment d'infos. C'est des indiscrétions. Allez, je vous les balance comme ça un peu à la volée et vous réagissez. Alors attends, je vais mettre les infos en vrac. On va pas faire la déclaration de Laurent Blanc, on va se la garder sous le coude. Sinon, on va faire une émission jusqu'à 22h. Oui. Mbagnan qui cherche une porte de sortie. Voilà. Et il y a des clubs français qui sondent, de Ligue 1. Qui viennent. Notamment un qui s'est positionné sur Milik. Voilà, ça sonde. Voilà. C'est un cadeau pour eux. Voilà. On peut la faire un beau cadeau. On l'enveloppe. Bob Tineros. Ouais, voilà. Marcello, notre Brésilien qui est plus bordelais, qui a été proposé à un club de Ligue 2. Bon vent à lui d'ailleurs. Pas Bordeaux. Voilà. Fran Sergio, des portes de sortie lui sont cherchées. Arabie Saoudite, Grèce. Voilà. Eh bien oui, les gars. Bon plan de carrière là-bas. Là, Sergio là. Ah mais faut le faire sortir. En Égypte là, ouais. Faut le faire sortir. Tu vas pas le faire sortir très cher là en Égypte à mon avis. Et tu peux pas, faire comme les sols, c'est-à-dire t'as 60 jours pour le rapporter. J'espère pas. Ah mais là, on risque.
On fait 12 mois, on fait 12 mois pour le rapporter. Ouais, on a raga, quoi. 60 ouais. mois pour le rapporter. On va pouvoir en 15 ans parce qu'en Égypte, ça négocie avec les chameaux. Donc, Aujourd'hui, tiens, on parlait des latéraux. Mangas, pas sûr que Bordeaux lève l'option d'achat. Ah, Boavista a bouclé ses comptes, c'est bon. Non, mais a priori, il pourrait retourner à Boavista selon les besoins de l'effectif de Boavista. Ce qu'il dit. Voilà, mais pas sûr que Bordeaux lève l'option d'achat. Je sais pas quoi penser de ce joueur après sur pareil. J'ai pas l'impression qu'il soit entre guillemets qu'il n'ait pas entre guillemets l'esprit, qu'il n'ait pas un mauvais esprit en tout cas, qu'il a quand même investi dans ce qu'il fait. Il était tellement mal à l'aise, tellement maladroit que et voilà. Compliqué de jouer. C'est ce que disait François tout à l'heure, c'est un joueur qui a 8 deux fois par saison et qui a 3 le reste de l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est un peu ça, ouais. Très irrégulier et ouais. Allez, messieurs, petite question rapide à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il faut arrêter de vouloir faire revenir Cheikh Diabaté aux Girondins? Tiens, tu commences, Samuel. Moi, je suis pour 100% qu'ils reviennent. Mais vraiment, mais Thomas, moi, totalement. Je peux comprendre qu'il y en ait qui trouvent que c'est un joueur qui, aujourd'hui, a 34 ans et joue plus haut niveau depuis 4-5 saisons. Mais moi, je suis persuadé que le caractère du bonhomme et surtout le côté atypique du joueur peuvent faire du bien. Et je suis persuadé que s'il revient, il met ses 8-9 buts en Ligue 2. Hein. Et moi, sincèrement, je suis 100% pour. J'en ferai un des cadres du vestiaire. C'est encore une fois une personnalité tellement à part et souvent qui fait beaucoup de bien à ses effectifs que pour moi, ce serait, je l'accueille à bras ouverts. Romain ? 100%. Moi, c'est un joueur que j'adore. Et d'ailleurs, je suis aussi content qu'on ait reprolongé Jimmy Briand. Pour moi, c'est pas fait. Si on le faisait, on va dire, si on le faisait, c'est vrai que pour moi, ça fait partie des joueurs qui ont un peu une histoire. Jimmy Briand, bon, même s'il arrivait sur le tard, pour moi, il a quand même apporté des choses à Bordeaux. Mais c'est vrai que Diabaté, moi, j'ai toujours adoré. Je suis d'accord avec Samuel, 8-9 buts. De la taille aussi, parce que surtout si on perd Monsieur Nyang, récupérer de la taille, ce serait pas mal. Et puis entourer les jeunes, justement, nos futurs grands jeunes. à voir. Franchement, moi, ça me plairait beaucoup. Ouais. Ça fait deux. Joe et après Gino et après Conan. Un peu plus. Alors, Cheikh Diabaté, l'homme dans le vestiaire, moi, il ferait un peu office de grand frère. Tu sens que c'est quelqu'un qui est apprécié, qui a toujours le bon mot, ça a toujours été quelqu'un qui a été apprécié partout où il est passé, il n'y a jamais aucun problème, et donc tu sens que c'est quelqu'un qui peut amener beaucoup d'ondes positives dans le vestiaire. Maintenant, effectivement, si tu as Diabaté, tu n'as pas de Briand. Et si tu as Briand, pour moi, tu n'as pas de Diabaté. Pour moi, il faut faire un choix entre les deux parce que, ouais, il faut un ancien. Ouais, il faut un ancien pour cadrer effectivement un petit peu les jeunes et peut-être aussi des joueurs un petit peu qui sont formatés à la Ligue 2 aussi, hein, faut pas non plus négliger ça. Donc du coup, deux anciens comme ça, de leur tempérament et leur niveau, je pense que ça serait pas une bonne chose non plus. Et j'aimerais bien connaître aussi l'état physique du joueur. Parce que pour moi, vu ses caractéristiques, il paraît quand même, à l'heure actuelle, pour moi, avec l'âge, beaucoup plus fragile qu'auparavant. C'est juste ça, en fait, c'est le seul bémol que je mettrais. Maintenant, un mec comme ça qui vient au Girondins de Bordeaux, avec le discours, je pense qu'il aura la capacité effectivement de mettre des buts importants. Et en plus, qu'il se propose et qu'il a envie de mouiller le maillot et qu'il a envie de faire du bien au Girondins de Bordeaux, mais comment tu le dis, non aussi, quoi. Voilà. Gino ? Non, plutôt pour, mais à certaines conditions. Voilà, qu'il ne soit pas attaquant numéro 1 au Girondins, on l'avait dit déjà. Que ce soit par exemple un jeune comme Mara ou des mecs un peu plus performants, mais qu'il soit dans le squad, entre guillemets, pourquoi pas avec lui et Briand, et qu'il vienne faire la maille quand on en aura besoin, parce que dans une saison, on en aura besoin de ces mecs-là avec de l'expérience et qui aiment le club. Donc, si tu es bon sur ça et que le salaire n'est pas un gros salaire et que tu as un contrat qui est peut-être avec des objectifs ou autre, eh bien, je pense que ça peut être un bonus qui est pas mal. Conan, t'en penses quoi? Bon, vous êtes tous super positifs, c'est bien. Ouais, bah je vais être aussi du même avis et faire un peu un micmac en disant qu'effectivement, non mais c'est vrai, je veux bien qu'ils viennent, mais c'est vrai que comme dit Gino, j'aimerais bien qu'on puisse mettre vraiment au devant nos jeunes, s'ils restent encore au club, que ce soit eux qui soient les principaux sur le terrain, les titulaires, et qu'ils ont justement un soutien, que ce soit moral, que ce soit au niveau de l'apprentissage, ou que ce soit au niveau du remplacement derrière, de joueurs tels que Diabaté, qui va franchement, pour moi, pour le niveau Ligue 2, même si la Ligue 2 a aussi changé, je pense qu'il fera encore très bien son boulot dessus, en espérant, comme dit Joe, qu'effectivement, sa forme physique soit bonne.
Je pense qu'il va y avoir juste un gros débat, Nico, par rapport à la place qu'auront les jeunes l'année prochaine. Parce qu'on dit souvent qu'il faut se baser sur les jeunes. Enfin, je l'entends beaucoup, beaucoup. Et moi, je dis, je pense qu'il faut un cadre intéressant pour que les jeunes puissent justement apporter quelque chose à l'équipe et pas se baser et pas mettre en figure de proue les jeunes pour moi. Moi, je pense que ça serait peut-être un danger vu le contexte actuel des Girondins de Bordeaux, vu comment est géré ce club, sauf s'il y a vraiment un changement important sur la direction, de la formation, etc. Mais les jeunes, ouais, il faut les faire jouer, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il leur faut un cadre, il leur faut des joueurs, entre guillemets, qui portent un peu plus au départ le projet qu'au départ. Enfin, est-ce que Mara, c'est un jeune pour toi, du coup ? À l'heure actuelle, oui. Parce que pour moi, c'est un joueur à potentiel, mais qui n'a encore malheureusement pas prouvé sur une saison. C'est juste ça. Voilà. T'as pas tort, mais en faisant venir des mecs comme Diabaté, justement, quelque part, il s'oriente sur Diabaté. Et Mara, tu lui enlèves quelque part une certaine pression. Mais c'est parce qu'Adrien, il a dit que justement, il préférait que l'attaque soit portée par Mara et pas Diabaté. Mais il sera porté sportivement voilà, et médiatiquement. Ça peut aider aussi. Je pense qu'il faut un compromis dans tout ça. Pas Mara, c'est sa troisième saison en pro, Joe. Donc, troisième saison en pro, qui plus est dans une saison en Ligue 2. Pour moi, il doit être capable sportivement d'être le leader. Par contre, je rejoins Gino. Effectivement, t'as un Diabaté et même un brillant, parce qu'il faut se mettre aussi à la place des adversaires en Ligue 2. Les adversaires en Ligue 2, sur le moment, en tout cas, peut-être pas dans les prochaines années, on le souhaite, ils se souviendront plus d'avoir affronté Briand ou Diabaté que Mara. J'espère que dans les prochaines années, ils se souviendront de dire « Ah ouais, non, j'avais joué ces Kumara, putain, avant qu'ils deviennent ballon d'or. le numéro 9 du Bayern en remplaçant Lewandowski. » Bon, et Gino, on n'a pas fait le quiz. On peut, attends, ça prend pas longtemps, si vous êtes chaud à jouer. Mais je sais pas si on a le temps, Nico. Est-ce que tout le monde a 5 minutes? Il est 21h17. 5 minutes. Sur le chat, ils vont être chauds, je pense. T'as Samuel ou pas? Tu m'as déjà vu préparer une émission, moi, tu sais, je suis un glandeur. Il faut 5 minutes. On a besoin que de 5 minutes. Il faut que j'aille manger après. on dirait. On fait l'exemple. Le Girondin flag. On va jouer avec des drapeaux de pays qui vont être en rapport avec les clubs fréquentés par des joueurs. On va prendre un exemple. D'accord. Par exemple, des joueurs qui ont joué au Girondin. Avec François Grenet. D'accord ? Ça vous donne un petit indice. On aura le droit qu'à une réponse par personne. Mmh. Ok ? Donc, si vous vous trompez, stop. Plus de réponse. On est d'accord ? D'accord. Allez. Okay. Donc, je montre l'exemple. Et on va voir sur le chat. Vous pardonnerez l'édition. Voilà. On va donner l'exemple. Par exemple. Ouh, tu m'as pas mis les pays, là, Nico. Là, tu nous as... Il n'y a pas les drapeaux qui s'affichent. Ah, si ? Si, en bas. En bas de l'écran. Si, ils sont. Ouais. Je sais pas, j'ai un rond bleu. C'est quoi le rond bleu ? Alors, le rond bleu, c'est quand il a joué au Girondin. Mais vous ne voyez pas les drapeaux, par exemple... Si, il y a les drapeaux. Non, je vois pas de drapeau. Si, ah bon, si, moi, je vois en bas, tout en bas, il y a marqué l'exemple. Belgique. Ouais, voilà. Si, regardez les drapeaux. Wilmots, c'est Wilmots. Bien joué. Donc là, c'est Wilmots, exactement. Trois clubs belges avant de jouer à Schalke, puis Bordeaux, puis de revenir à Schalke par la suite. Très bien. Oh, là, vous êtes bon. Voilà, ça, regardez, Marc Wilmots, pour l'exemple. On a fait une petite illustration. C'est le maillot de Romain. Donc on est bon. Alors le premier niveau, c'est le niveau 1. C'est en gros, moi, je te le dis, je vois exemple B, D. Ouais, il y a BE. Ah bon ? Ah oui, tu vois les initiales des pays. Tu vois les initiales des pays. Ah, mais sur YouTube. C'est le niveau. C'est le niveau, c'est le niveau extrême, toi. Je suis trop fort. C'est le mode légende dans FIFA, là, donc tu te débrouilles. Non, mais sur YouTube, ça passe bien. Hein, ceux qui sont sur YouTube et moi, sur je pense que Conan. Je vois sur YouTube. Ah, oh, mais tant mieux. C'est bon. Et Conan, attention. Je pense que c'est juste le débit. Bon, on est prêt. Alors là, on passe le niveau 1. Le niveau 1, c'est le niveau centre de formation, j'appelle ça. Donc, on va partir avec la première carrière de joueur. Vas-y, Nico. Alors, il a joué en France. En France, à Bordeaux, France, en Bordeaux, Angleterre. Angleterre, Allemagne, France, Bordeaux et France. Et il a joué avec Grenet, c'est ça ? Et il a joué à Bordeaux. Avec Grenet. Il a joué à Bordeaux et Grenet. Allez, j'attends vos réponses. C'est le niveau centre de formation. Par rapport à la carrière. Ah là là. C'est... Ah ouais, je pensais pas, tu vois. Donc le bleu, c'est Bordeaux. Hein. Le bleu, c'est Bordeaux. À Bordeaux, Angleterre, à Allemagne. France, Bordeaux et France. J'attends vos réponses, les gars. Ah, je vois sur le chat, c'est trop bien. Oh, Bertrand, magnifique. Magnifique, Bertrand. Bertrand. Regardez pas le chat, les gars, déconnez pas. J'ai pas vu. Ah, Bertrand. Un point, Bertrand. J'ai mis en plein écran déjà sur YouTube pour voir les drapeaux. Les gars, là. J'avais dit Miku. Miku, non, c'est mort. C'est mort pour Samuel. Les autres. Ah, ils ont vu le chat. C'est pas loin de Miku. C'est pas Viltord.
Non. Non. C'est pas bon. Ah, il reste plus que Joe et Conan. On est sur la même génération. Que Grenet ? Même génération que Miku, Wiltord. Oh les gars, là, ça déconne. Il a joué à Libourne Saint-Seurin. Oh là 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 là. Sams. Non. Alors, Joe, Conan ? Bon ben, non, ça va être l'angocha. Hein. Non, attends, un autre indice. Il a joué à Auxerre. Bastia. Ah, Nice. je l'ai. Oh là là. Il est hyper simple, c'est vrai. Sunderland, Cologne. Il est hyper simple. Deux fois au Girondin, il revient, il a le numéro 7. Alors mais l'Aslande. Le numéro 9. L'Aslande. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit ? Je crois que quelqu'un l'a dit. C'est pas ça, personne. Ah, je pensais que quelqu'un l'avait dit, mais en fait, c'est pour ça que Bertrand. Bravo Bertrand sur le chat. D'accord. C'est l'Angleterre qui m'a perturbé, moi. Ah, mais c'est vrai qu'il part en fin 2001. Ouais, c'est ça. Il a joué où en Angleterre ? Sunderland. Ah ouais, Sunderland. Ouais. Petit passage hein, ouais. En Allemagne. Ah, d'accord, ok. Allez, niveau pro. On passe au niveau pro. Oula. Alors, Bordeaux, Koweït, Bordeaux, Turquie, Arabie Saoudite. Ça, c'est la même époque aussi. C'est un exotique. Koweït, c'est ça le drapeau là. Ouais, formé à Bordeaux. Formé au Girondin, les gars. Formé au Girondin, il revient au Girondin. Putain, non, ouais. Moi, je le tente. Coach Joe Afanou. Bien joué, Joe. Avant le chat, en plus, celle-là, elle est belle. Coach Joe Afanou. Il est du niveau. Hein. Magnifique, Coach Joe. Quel et, défenseur central. Anthony So, qui l'avait pas mal sur le chat, je pense. Mais qui, voilà. Joe l'a eu juste avant. Bien joué. On j'ai passe au rien. Niveau. Je t'ai pas sur rien. Niveau joueur du mois, maintenant. Samuel, il est prostré. Attention. C'est parti pour le niveau joueur du mois. France, Bordeaux, Espagne, Suisse et France. Là, c'est ça chaud. Monte ça sur monte un peu. Ah, ça monte là. Ah, Fanou, ils sont bons sur le chat. Ils sont bons sur le chat, mais là, on va voir si vous êtes plus fort. Denis, encore. Karim aussi. J'aurais pensé. Faut tenter des choses, là le niveau est. Je pense pas à cause de la Benarbia. Suisse. Non, pas Benarbia. Ah, c'est pas bon pour Romain. Conan, t'as dit Roland. Il reste plus que Joe et Sam. Un faut un indice choix. Là, non bon, ouais, est-ce qu'il est resté longtemps à Bordeaux ? Non. Non, pas tant que ça. Et c'est les années Coupe d'Europe, finale de UEFA. J'avais un an. C'est bien joué, mais deuxième... je sais pas si revient. Le deuxième indice. Tolo ? Non, non. Non, c'est pas Tolo. Joe ? Non. Non. Est-ce qu'on l'a sur le chat ? Non, je le vois pas. Allez, Enzo Zidane. 15-96. Sanchez, non. Il joue qu'une saison à Bordeaux ? C'est le niveau pro. Non, il joue un peu plus. Un joueur assez fin. Il marque en finale. Il marque en finale. Ah, Daniel Dutuel, ouais, c'est ça. Et il finit en France ? Ah ouais. Deux saisons. Et il finit au RC Paris. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Ensuite, d'accord. Il joue au Celta Vigo, Real Valladolid, à Beninzon en Suisse, et il finit au RC Paris. Non, je le vois en Espagne. Plus tard, la finale. Un bancarel. Ah, Julien, il l'a dit, Julien. Julien, bien joué, Julien. Et là, c'est du lourd, maintenant. Le niveau légende. C'est le dernier, alors là, ça va être, c'est du lourd. Attention, il y a du drapeau. Ouais, c'est pas la carrière n'est pas si complexe que ça, mais c'est dur. Ouf. France, Bordeaux, France, Angleterre. Celui qui gagne, je paye un coup. Non, il revient en France. Est-ce que c'est pas Peter Luxin ? Non, il joue en Espagne, Peter Luxin. Oui, il joue en Espagne. C'est pas Peter Luxin. Qui a terminé en Angleterre ? Ouais, attention, là, c'est très chaud. Donc, il chaque drapeau, c'est un club différent. Donne le poste. Alors, le poste. Alain Gély nous a proposé Cantona. C'est pas Cantona. Donne le poste. Mais il y a un rapport avec Cantona. Ouais. C'est un joueur des Girondins qui a un rapport avec Cantona. Angleterre. Un joueur des Girondins très peu connu. Un joueur des Girondins très peu connu qui a joué avec François Grenet. Qui jouait à un poste. Qui est l'un des plus grands postes qu'on a eu au club, avec notamment des gens qui sont restés très longtemps à leur poste.
Donc avec des ramés, des dropsy, des... Je mime. Plutôt un gardien de but. Okay. Gardien de but, ouais. Quel joueur François Grenet. Et les gars, si vous trouvez, je vous paye. Pérez. Pérez. Oh, bien joué. Ouais, putain, juste au moment où j'ai 10 coups à boire. Mais voilà, c'est ça. Avant le chat. Avant le chat. Putain, oui, oui. Alors, très difficile de trouver une photo. Pérez. Très difficile de trouver une photo de lui avec le maillot. Bah ouais, Xavier qui avait eu art, mais là, non, dommage. Il a joué à Nîmes, non? Non, peut-être pas à Nîmes. Ouais, 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 bien vu. Ouais, je ne vais pas te faire un bêtis, mais je crois que c'est Nîmes. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, c'est qu'il finit en Angleterre à différents niveaux. Et ouais, vas-y, Joe, vas-y, c'est ça. Il prend un super lob, je crois, où Cantona a pris. Et il prend le magnifique but de Cantona, qui est l'un des plus beaux buts de la Première Ligue, qui est le lob. Où il se retourne après avec le ouais, où il fait le où il fait où, voilà, où il se la pète, c'est comme tout le monde voudrait se la péter quand on a quand il fait ça. Exactement. Donc il a joué à Nîmes, au Stade Lavallois, Sunderland, Newcastle et après dans des petits clubs de petite division. Lionel Pérez. Voilà. Eh bien super, merci Gino, j'espère que ça vous a plu ça sonnait là, je crois que c'était mon téléphone. C'était chez moi. François qui rappelle. J'espère que ça vous a plu ce jeu. Merci Gino. Maximum de likes pour Gino. Allez, on applaudit Gino. Ouais, Gino. Et franchement, il y avait du level, Gino. Bravo. Il y avait du niveau. Vous avez été bon, quand même. Vous étiez pas mal. Les deux derniers n'étaient pas faciles à trouver. Hein. Top jeu, dit Bertrand. Excellent. C'est plus le premier où on a un peu déconné, quand même. Allez messieurs, on a explosé le compteur. Tous les thèmes qu'on n'a pas traités, on le fera lundi. Il y a émission jeudi FAQ. Et puis voilà, bonne soirée. Gino, tu voulais ajouter quelque chose, j'ai l'impression. Non, super. Non, Nico. Non, c'est super. Bonne émission dans le club des 5 à vous deux alors. Ouais. Alors, on va regarder je fais qu'une petite intervention. On va regarder ça. J'ai la pression les gars. Une intervention de qualité. J'espère, j'ai la pression, j'ai rien préparé, je ne connais pas les questions à l'avance. D'ailleurs, tu participeras beaucoup plus pour une fois aux émissions. Ouais. Habituellement, c'est vrai. Et moi, beaucoup moins, donc même pas, tu vois. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Alors, non, mais je vais dire aux gens. Samuel. Attends, mais c'est une chaîne, elle est hyper. Je vais dire, venez vous abonner à la chaîne. Courte mais bonne. Bon, merci aux sociaux qui nous soutiennent. Merci, messieurs, Samuel. Merci, Romain, du côté de Toronto. C'était très sympa que tu sois avec nous. Merci, Gino. Merci, Joe. Merci, Conan, pour ton retour. Bon, Joe, je te dois un coup à boire, du coup. Merci à Youssef, Slide et tous ceux qui sont... Cédric. Ça aurait été marrant que ce soit moi qui ai la réponse et que ce soit moi que tu dois payer à boire parce que ça aurait fait un voyage. J'aimerais bien venir de côté. Je ne connais pas du tout cette région. Il n'y a pas un club en Ligue 2 ? Je te ferais bien visiter. Conan, il n'y a pas un club en Ligue 2 où on peut venir là ? Il y a qui en Ligue 2 près de chez toi ? En Ligue 2, il y a Nîmes qui est au plus proche. Ah, il y a Nîmes ! Ils sont en Ligue 2 ? C'est juste au-dessus de nous, le Vaucluse. Mais sinon, non, c'était Nice à droite, Marseille à gauche, Nîmes au-dessus. Le VAR en lui-même, on a hier qui est possédé par Boudjelal. D'ailleurs, Bordeaux avait joué à Montréal. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Trophée des champions. En Gagnant, 2-0. Ouais. 2-0. Ouais. C'est plus près qu'ils y étaient. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. Ouais. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée. On se quitte. Ah oui. En chanson. C'est vrai, émission de. Ça en finit jamais, tu sais. Maintenant, on a 2 minutes 50 de la très belle chanson de Secta. Ça va finir à minuit, l'an prochain. À minuit, l'émission. Non, mais vous pouvez y aller si vous voulez. Après, on aura généré les sociaux. Il y a la chanson Radio de Libre. Secta. La chanson de Secta. Bordelais un jour, Bordelais toujours. Vous voyez vos photos, vos vidéos. Il y a le message sur le Tipeee et les sociaux. Merci aux sociaux. Merci à vous. Sans vous, on ne serait pas là, c'est sûr. Allez, c'est parti.
Ah, ça fait quelque chose. Que c'est beau. Que c'est beau. Ça fait quelque chose. Moi, ça me fait des frissons à chaque fois, à un moment donné, dans la chanson. Ça te, je sais pas, ça te met du baume. Ah, elle est bonne, hein. Non, mais il a bien réussi, hein. C'est sympa, cette petite chanson. Moi, tu vois, c'est con, elle est pas aussi complexe, mais je l'identifie à une autre chanson qui appartient aux supporters des Stéphanois. La chanson des Verts. Allez, les Verts. Ah, la vieille chanson de 76. Voilà, hein, écoute, pas la chanson de Mickey 3D. C'est fédérateur. Très fédérateur. Et en fait, à cette même image, c'est un peu comme une hymne bordelaise qui pourrait être chantée dans le stade. Il va falloir. Pourquoi ? Écoute, tu pourras m'envoyer les liens sur WhatsApp pour faire le clip, du coup, là. Mais c'est sur Tipeee, je te l'enverrai. Vous me l'envoyez. En fait, c'est noté, mais vous me l'envoyez sur mon téléphone, hein, la photo. Bon. Mais je pense qu'en plus, les émotions, quand il y aura les photos de tout le monde, j'ai reçu des petites vidéos. C'est sympa, ça va faire encore plus. C'est des photos ou des vidéos qu'il faut faire ? Comme tu veux, une vidéo, c'est sympa. J'ai beaucoup de photos pour l'instant. Une vidéo, c'est quoi ? C'est combien de secondes ? 5 secondes. 5 secondes, voilà, ouais. Je vais faire ça avec mon frère, ma belle-sœur, ma nièce et tout, avec le bébé. C'est cool, là, c'est sympa. J'ai fait la vidéo avec la musique derrière, c'est ouf, quoi. C'est vrai que c'est une bonne idée, ouais. Ça marche vraiment bien. Ouais. Tu me l'as envoyé, ta vidéo ? Ouais, je l'ai envoyé par email, je crois. Dis-moi si j'ai reçu. Ah oui, je regarderai. Je fais une petite vidéo. D'ailleurs, avec ce maillot, parce que vous me traitez. Vieux maillot. Allez, on se quitte cette fois-ci. Celui-là. Ouais, les dépêches, il faudrait que je les ai reçus vendredi, ou samedi, je le ferai ce week-end. Comme ça, je ferai un premier montage, après je pourrai les rajouter. On est encore en diffusion, je crois. Pardon ? Encore en diffusion, je crois. Oui, on est en diffusion, hein. Oui, je sais. Ah, vous pensez qu'on n'était plus en diffusion ? Si, on est en direct, les gars. Ah oui, on est toujours en direct. Ah oui ! Vous pensiez qu'on n'était plus en direct ? Ah, mais en direct, je sais, c'est volontaire. Ah oui, non, on est toujours en direct. Allez, maintenant, c'est générique des sociaux, et cette fois-ci, on se quitte. Allez, bonne soirée. Ciao. Let's go. Yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast.